When you hear Africa, what comes to your mind? Water. What did you say? Less water. Less water? That's a violation. No food. No food. No poor. Poor. What country are you from? Syria. Wow, both of you. When you hear Africa, what comes to your mind? Bonsoir. Bon, je devais mettre les deux téléphones. On dit mes TikTok là-bas aussi. Bonsoir. Ok. Bon, j'ai parlé avec une jeune dame aujourd'hui. Je rencontre que beaucoup d'entre vous avez commencé votre travail spirituel, vous avez abandonné. Ok? Vous avez commencé, vous avez laissé, vous avez commencé, vous avez laissé. Le manque que le Seigneur me donne les paroles appropriées pour que je puisse vous parler effectivement et que vous puissiez comprendre. Bonsoir, Fiti. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Patrick, Léonie, bonsoir. Des démons, merci. La première m'a contacté l'année passée. Les deux femmes. La première m'a contacté l'année passée. Et tu vois, ce genre de fille qui elle a un enfant ivoirienne, un peu éparpillée, je vais être honnête avec vous. Tu vois, ce genre de fille qui est habituée à partir à l'église et le pasteur l'appelle tout le temps pour dire: tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Tu viens quand? Voilà, je ne te vois plus depuis, pourquoi? Et là, elle était en Côte d'Ivoire en août. Elle était même censée venir au Cameroun. Après, elle n'est plus venue. Et elle a pris cette distance. Genre, avant, elle m'écrivait peut-être une fois toutes les deux semaines. Et elle a peut-être fait 4-5 mois sans m'écrire. Je lui dis: ok, pas de souci. C'est pas que j'ai pensé à elle ou quoi que ce soit. Et elle me recontacte avant-hier et elle me dit: voilà, quand je faisais la lecture, le lavage de son enfant en juillet de l'année passée,
Je lui ai dit que si elle ne faisait pas attention, il y avait des mauvaises personnes qui voulaient prendre son enfant, en quelque sorte dans la sorcellerie, ok? Donc c'est ce que je lui avais dit quand je faisais travailler son enfant. Elle me dit donc qu'elle a fait quelques mois en Afrique, elle repart, dès qu'elle rentre en Europe, on lui prend la garde de son enfant, on a placé son enfant. Et là, je lui demande, depuis que je t'avais dit ça en juillet, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Elle me dit non. Elle me dit non. Elle n'a rien fait. Elle a arrêté de se laver avec le sel. Elle a arrêté donc de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Elle a fait 6 mois. Elle n'a rien fait. Et la sonnette d'alarme pour elle, c'est quand on reprend son enfant de sa garde. Donc, je suis en train, I'm going somewhere. Écoutez juste. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, qui m'enverront des bonsoirs pendant que je parle. Donc, la deuxième, elle est rentrée en contact avec septembre. Celle-ci est en France toujours. Bonsoir les Gabonais. La circulation est merdique depuis que les présidents des baguettes et tout ça sont venus ici là. Donc la deuxième me contacte. Elle tombe sur mes vidéos. Première fois, elle regarde. Celle-ci est haïtienne. Elle commence le travail. Elle fait quelques lavages, après pas. Tu as pris un kit. Non, je devais prendre le kit, mais... Vous attendez tout qu'on vous force. Elle a fait, je crois qu'elle a fait une certaine période, elle a fait des dons à l'orphelinat. Elle a fait un ou deux lavages, je pense. Je ne sais pas si je l'avais consulté. Parce que je ne faisais plus trop de consultations pendant une période. Après les lavages, elle a fait une offrande pour son magasin qu'elle venait d'ouvrir, une sorte de prémisse. Après ça, elle a disparu de la circulation. Et là, elle me recontacte avant-hier, elle me dit, ouais, j'ai rêvé que j'étais chez toi et tu étais en train de me faire un lavage. Et cela a dit que, ouais, vraiment, s'il te plaît, il faut que je dois envoyer l'argent pour que tu me fasses un lavage. Ouais. J'ai dit, ok. Je prends donc ces détails. La nuit où je prends ces détails, elle rêve comment dans le rêve, les chiens, il y a un homme avec 3 chiens qui sont en train de l'attaquer. Un derrière, sur son dos, en train de la mordre. Je parle de ces deux femmes parce que je crois que vous pensez que le travail spirituel, c'est un peu comme un abonnement que tu prends, on paye une fois, après c'est fini. Non, ça prend du temps. Écoutez bien. Les gens que vous aimez partir vers eux, ils vous disent que je vais faire tout ça en une fois. Non, ne vous dérangez pas. On va faire tout ça là. Madame, ne vous inquiétez pas. Envoyez-moi l'argent en deux jours. Je résous tous vos problèmes. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez. Il y a le travail sur la spiritualité. Il y a le travail sur ça. Bonsoir. Et ce travail part du fait que, je vous le dis encore, il y en a parmi vous que tu as envie de commencer à travailler sur ton enfant. L'enfant a 7 ans. L'enfant a 15 ans. TikTok de que vous allez voir le résultat en un jour. Il y en a qui tombent pour ça. Et je sais que vous, il y en a qui aiment ça. Il y en a que vous disiez, dès qu'on te dit que ah bon, même moi, si je me mettais ici et vous disais que venez en un jour, je fais comme ça là, maître Jocelyne, je sais que vous ne parlez, vous-même, vous allez venir dire oui, on fait comment. En inbox, vous allez venir me dire que, car dis-moi un peu, je fais comment. Tu n'as pas une astuce que vous aimez ça, non? Buy one, get all free.
Parfois, tu commences. Tu as d'abord les. Tu commences à 35 ans. Bonsoir, si vous m'avez écrit sur WhatsApp, écrivez seulement encore. Écrivez même deux fois par jour. Tu écris le matin, tu écris le soir. Et tu te laves avec le sel en m'écrivant. Que même nos parents qui doivent nous aider, eux-mêmes qui font des mauvaises choses sur nous. Dans le spirituel, c'est le chacun pour soi. Je vous dis cash. Chacun pour soi. Tu es là, tu commences, tu as 35 ans. Tu dois d'abord enlever les choses que tu as même 5 générations de démons qui sont sur toi. Tu as les cases maléfiques. L'autre a fait un rêve hier. Je crois qu'elle a envoyé un message ce matin d'ailleurs. J'ai mis dans le groupe WhatsApp. Elle a dit, elle a commencé son kit déblocage. Elle est au 5e jour. Et là, elle a fait un rêve où elle fait souvent le même rêve. Vous avez, je suis sûre que vous avez souvent des rêves que vous faites, ça se ressemble beaucoup. Parfois tu rêves qu'on va composer, tu n'es pas, tu n'as pas, tu arrives tard. Ou bien tu écris, tu n'as pas ta feuille à temps. Et tu sens cette sensation-là, non? Et je suis sûre qu'au moins une fois on a eu ce rêve-là, chacun d'entre nous. Et là, elle dit qu'elle a fait le rêve où elle composait, toujours elle échouait chaque fois. Mais cette fois, pendant qu'elle a fait ce traitement-là, elle a composé ce qu'elle a passé. Elle dit que ma chérie, tu ne peux pas savoir le trou dans lequel toi tu t'es sorti. Il y a des familles dans lesquelles tu nais. Hein? Ta mère d'abord t'a porté 9 mois dans son ventre. Le nombril là qui t'a connecté à elle. Le sperme de ton père là qui est venu. Physiquement d'abord, il y a le bagage sur ça. Spirituellement, il y a le bagage. Et il y a certains de vos parents que, même pas que certains, on n'a que les parents qui connaissent. Ils savaient qu'il y a les parents qui donnent leurs enfants. Voilà, tu es Santa. Enfin, tu rêves que tu te retrouves, tu vois Bangui. Madame, je connais, non? Voilà, on dit que le rêve qu'elle fait toujours, elle ne finit jamais la composition. Je connais cette sensation-là. Tu te réveilles comme ça, tu es mal à l'aise. Tu dis, mais j'ai arrêté l'école depuis 20 ans. C'est quoi ce rêve là que je me dis? Tchai! MTK, tu as changé ta photo de profil. Comment tu vas? Elle dit qu'elle a fait le rêve là de tout si elle a passé. Ce qu'elle échoue chaque jour là. Oui, que tu es sur les bancs de l'école. Elle dit qu'elle est composée, elle échoue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le tout si. Le tout si. Elle a passé et elle était en plein traitement spirituel. Voilà, tu rêves que ton nom n'est pas sorti. Je connais tout ça, non? Tu vas voir que la famille de laquelle tu sors, même si physiquement vous n'êtes plus là ensemble, il y a des bagages. Parfois même ton nombril là, quand t'as accouché, est-ce que tu connais là où on a enterré ton nombril? Est-ce que combien d'entre vous connaissez là où on a mis vos nombrils? Tu rêves que tu as abandonné et tu rates le vol retour. Mon camp. Ta part là, tu ne m'étonnes pas, Donald. Le truc, c'est que quand tu regardes la genèse des familles, et voilà, ta fiancée rêve tous les camarades du lycée. Parce que parfois vous avancez superficiellement. Mais il y a encore des choses derrière. Il y a encore des choses derrière. Parfois on t'a donné le nom de ta grand-mère. Et la grand-mère elle est sorcière. Elle était sorcière. Tu ne connais pas. Tu portes ça, tu mets sur ton dos, te voilà, tu es aux États-Unis. Tout le temps, tu fais tous des rêves bizarres, que tu ne comprends pas.
Moi, ce que je connais, c'est que beaucoup de personnes qui me suivaient là, hein, vos parents n'ont rien fait pour vous aider. Rose, ça fait 20 ans que tu n'es pas dans ton village, mais tu rêves tout le temps que tu es dans ton village. Vos parents, grands-parents, il y a des schémas spirituels qu'on a tracés, si bien que toi-même, comme tu grandis là, tu es censé partir. Ta grand-mère a accouché ta mère à 20 ans. Ta mère t'accouche à 22 ans. Tu grandis, tu as 27 ans, tu te rends compte que tu as accouché aussi à 20 ans, 21 ans. Et tu as accouché une fille. L'enfant là, comme l'entend grandir, tu ne fais rien. Quand elle va arriver vers 18, 19 ans, la même chose va commencer à la prendre comme ça que vous. Parfois, vous ne connaissez pas le combat que vous êtes en train d'engager. Vous ne connaissez pas le combat. Et ne pensez pas que... J'ai dit dans le direct d'autre jour que les démons qui sont en train de vous embêter, il y a un lézard ici, là, il est concentré comme s'il écoutait ce qu'il dit. Monsieur le lézard, tu comprends ce qu'il dit? Hein? Tu dois d'abord combattre, parce qu'ils ont déjà vu le schéma, ils ont vu ta mère a essayé de sortir de là, ils l'ont prise. Ta grand-mère a essayé de sortir de là, ils l'ont prise. Ton arrière-grand-mère avait aussi essayé, ils l'ont prise. Et comme les familles africaines ne parlent pas, ne communiquent pas, quand tu grandis, si ce n'est même pas la grâce de Dieu, peut-être une tante va te dire que les problèmes que tu as là, ta mère avait déjà des situations-ci. Que ta mère avait le genre de dire, ta mère était un peu comme ça là. Parfois tu ne sais pas. Je ne vais pas interpréter les rêves, vous avez suivi, donc ne me donnez pas vos rêves, je ne vais pas les interpréter. Je suis en train de dire quelque chose. Et parfois, c'est en connectant les points comme ça là. Parfois tu es en train de faire un travail spirituel. Hein. La semaine là, tu as une révélation sur pourquoi ta famille ne se marie pas depuis. Tu dis que si le lézard me répond, je fais comment? On parle, non? Ça veut dire qu'il a bien voulu me répondre. Seulement le fait que tu restes et que tu te dises que ça là, ce n'est pas normal. Parce que le but de l'ennemi, c'est que il voile tes yeux. Il voile tes yeux. Tu es là, tu es aussi comme ça, là, tu grandis 15 ans, 16 ans, 22 ans, 30 ans. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quand ton éveil spirituel commence, c'est quand tu commences à connecter. Il y a même certaines d'entre vous, que vos pères sont vos maris. Chaque fois que tu présentes un gars à ton père, c'est là que la relation se gâte. Et ton père t'aimait. Tu es là, oh mon papa. Oh mon papa chéri, mon papounet. Mon père ne peut pas me faire ça. C'est quand tu as un travail spirituel un jour comme ça là que tu fais un rêve. Tu te réveilles, j'ai rêvé, j'ai vu mon père était mon mari. Tu commences le temps à te rappeler. Quand j'avais 18 ans, 22 ans, 24 ans. Tu vois, toutes les fois, et ça revient toujours là où tu as présenté à ton père. Tu aurais pu vivre comme ça toute ta vie, ma chérie. Tu ne te maries, toi, jamais. Et que ton père connaît. Et tu n'as jamais fait le rapprochement. Que toi, c'est après 10 ans que tu as les problèmes avec l'homme, il s'en va. Parce que le spirituel, hein, ce qui parfois vous dérange, c'est que vous partez toujours chercher les solutions chez les autres
Et tu ne peux pas développer la capacité de t'asseoir. Tu communiques avec tes guides. Tu restes comme ça là. Tu dis, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parlez-moi. Tu prends 3 jours de jeûne. Montrez-moi pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser dans un mariage. Qui est assis sur ça? Qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que c'est un comportement en moi? Est-ce que c'est dans ma famille? Tu lances le jeûne sur ça. Tu vas voir peut-être le deuxième jour, une de tes tantes t'appelle. Elle te dit, oui, tu sais, on a toujours dit dans la famille qu'il y avait tel grand-père paternel ou tel oncle paternel qui nous avait vendu toutes les filles de la famille. Tu es là, tu as 40 ans et on ne t'avait jamais dit ça. On ne t'avait jamais dit. Bonsoir Larry Léona. Mais parce que tu as, c'est quelque chose que tu as demandé. Et quand elle te dit que ça résonne dans ton esprit, quelque chose te dit que c'est ça, voilà ce que tu as demandé. Tu n'es pas parti chez le marabout pour qu'il te dise. Tu n'es pas parti chez le marabout pour qu'il te dise. Parce que vous n'aimez pas savoir que okay, bonsoir la reine Rolande. Tu veux qu'on cause? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais là où je vis. Tu m'as vu hier. Tu passais dans le taxi comme ça. Tu m'as vu. Oh, yo, non. Roland, ne me dérange pas. Parfois, il y a les choses et il y a les signes parfois que vos anges vous montrent, vos ancêtres vous montrent, mais vous ignorez. Quand bien même tu peux même voir un divin, quand tu peux même voir un marabout, ce qui te dit, ça doit même résonner déjà avec ce qu'on a commencé à te dire. Soyez pas seulement bête, bête. Parle-moi, parle-moi, dis-moi. Dis-moi, gna gna gna, hein. Vous avez dit que je ne veux plus parler, je ne veux plus parler avec le bébé spirituel. You are saying facts, okay. At 33, you are not married, no kids, no relationship. You just found out last year because of your father through spiritual work. Yeah. Même quand tu ne comprends pas les signes, demande. Ta poteau le dirait sur TikTok, sinon ça va vous déranger. Ça commence à bugger. Ta poteau. Bonsoir, monsieur Hervé. Je dis, je me dirais, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est parce que sur TikTok, je peux pas bloquer certaines personnes. Je peux pas rester et dire que bon, personne n'entre plus dans le live. Donc, si vous tombez ici par erreur, vous posez vos questions qui n'ont pas de sens avec ce que je suis en train de dire. Moi, je ne vais pas vous répondre. Vous avez suivi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes paresseux spirituellement. Roland, tu n'étais pas dans le taxi. C'était pas toi. Tu as compris. C'est ta jumelle. Moi, prends-moi le taxi. Et prends le taxi.
Moi, je prends moi le taxi. Le souci que j'ai avec vous, c'est que... C'est votre désespoir qui vous bloque. C'est le désespoir dans lequel vous vous trouvez là. Donc, tu n'as pas confiance que tu es sur le chemin pour ta délivrance. Je me rappelle quand je n'étais pas... L'éveil spirituel, je me rappelle quand je n'étais pas encore vraiment à ce niveau-ci là. Je faisais que dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mes guides, mes anges, mes ancêtres, parlez-moi. Parlez-moi. Vous comptez trop sur les gens. Toute personne qui m'approche, qui paraît désespérée, la façon dont tu cours derrière moi, tu veux dire, aide-moi. Demain, tu vas quitter, tu vas partir aussi faire la même chose sur une autre personne. Et en partant chez la personne, tu vas mal parler de moi. Donc, je ne suis pas moi sur ça. Moi, que t'es nia. Je ne suis pas là. Bonsoir Michel. Il y a des personnes que... Pourquoi tu vas voir elle à 19 ans, 20 ans hein? Elle ne s'affole pas. Elle pose la question. Elle pose la question. Elle sait que la réponse va venir. Même si c'est dans 6 mois. Moi, j'ai souvent des personnes que quand je rencontre, ces personnes me guident. Je guide les gens, mais il y a des moments aussi, ils envoient les gens pour que les personnes me guident. Ça ne veut pas dire qu'il va appeler la personne maintenant tous les jours. Que dis-moi, parle-moi, dis-moi. Non. Non. Il faut d'abord une connexion. Il faut d'abord que ça clique. Peut-être que le jour où je t'ai rencontré, tu étais connecté. Toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche, c'était net pour moi. Net pour moi. Ce dont j'avais besoin à la période là. Parce que quand tu commences à grandir spirituellement, c'est pas tous les jours qu'on te parle. Bonsoir Adjo. Ravi d'avoir changé ta vie avec mes vidéos. Pour les kits en Côte d'Ivoire, tu écris sur le numéro là que tu as sur mon TikTok. Et on va te donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes parfois que vous m'écrivez, je suis censée te consulter, mais ça ne se passe pas. Et que ce n'est pas le moment. Après le moment arrive, un jour, un matin, je me lève à 6h comme ça ou 7h. Le jour là, tu m'écris. Merci Michel pour la casquette. Tu m'écris et vois ton message. Je dis ok, tu es disponible dans 1 heure. Tu dis oui. Et la nuit d'avant, tu as fait un rêve qui devait t'aider à mieux comprendre. Qui devait t'aider à mieux comprendre ce que je vais te dire à 8h. Parce que vous êtes désespéré. Vous êtes désespéré. Vous êtes toujours en train de... Non. Ayez la foi. Bonsoir Facebook. La première chose que vous devez comprendre, arrêtez de courir après tout le monde. Si tu entends que c'est maintenant là-bas qu'il y a la réponse, tu pars. On te parle de telle personne, tu pars. On te parle de... Quand quelqu'un me dit que j'étais en jeûne, en plein jeûne, je suis tombé sur tes vidéos. Il dit, voilà quelqu'un qui m'a cherché. Otchina. Comme tu m'as cherché, comme tu vas me trouver comme ça là, ce que je dis, ça va résonner avec toi. Et ça va t'apporter des solutions. Contre, tu tombes par hasard sur mes vidéos comme ça là.
Ah, qu'est-ce que tu... Ah. Non, non, non. Ne forcez pas. Désabonne-toi, quitte, tu pars. Il n'y a pas de souci. Je vais voir le inbox là, vous me harcelez. Dis-moi, dis-moi. Je ne réponds même pas. Apprenez à être posé. Au fil des années, quand j'étais à l'église, généralement, quand on avait un pasteur qui arrivait, on disait parfois il y avait des prophètes qui venaient, parfois il y avait des personnes qui étaient très connectées spirituellement. Quand elles arrivaient, on appelait ça revival. Parfois ils venaient prêcher 3 jours dans l'église. Je me rappelle chaque fois que ces personnes venaient, je ne parlais pas. Hein. Quand je sais que la personne vient, je commence le jeûne. Donc quand tu arrives et je suis en jeûne, tu arrives à l'église, je m'assois seulement derrière. Quand tu es en train de prêcher, je dis, Seigneur, que ma parole sorte de la bouche de la personne suivie. Seigneur, que ma parole... Il est en train de prêcher son serment, hein. Il part par ici, là, après il s'arrête. Il dit, I don't know why, I feel like I need to talk about this. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois parler de ça. Je ne lui ai rien demandé personnellement. Hein. Il parle, il me donne mes... Et quand il parle, l'esprit me dit, voilà ta parole. J'écoute. Je note. J'étais très assidu quand je commençais ma spiritualité. Très assidu. Je note, je note. Parfois il parle aussi, je sens comment mon esprit est en train de. Je sens comment mon esprit est en train d'absorber les paroles qui sortent de sa bouche. J'absorbe, j'absorbe. Quand il finit maintenant, il s'arrête. Il dit, ok, let's go back to. Il repart dans son sermon qu'il est en train de prêcher. Il dit, ok, thank you, Jesus. On finissait parfois, il y avait des gens après qui disaient que. Oh, il faut que il ait ma parole. Après, pas te le saluer après qu'il ait prêché. Hey, pasteur, you don't have something for me? You don't have a word for me? Je n'ai rien à foutre de Macron. Franchement, je n'ai rien à foutre de Macron. Si j'ai mon argent, même si Macron fait n'importe comment, il m'en fout. Tu as compris, papa? Vous allez mettre vos énergies dans les trucs qui ne vont pas vous aider. Point. Continuons. Il y a des personnes parfois que quand vous prenez le temps pour écouter mes vidéos, parfois les gens sont ça, je suis en train de parler, je m'arrête, il fait comme ça là. Je commence à parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit en haut de la vidéo. Je parle, je parle, je sens dans mon corps comment l'énergie, je parle, je parle, je parle. Après, il finit. Je dis, ok, revenons à ce qu'on disait. Je sais que ce que j'ai dit là, c'est en train d'aider quelqu'un. C'est pour ça que quand ça m'arrive, je ne résiste pas. Je ne suis pas carré dans mes vidéos, genre, j'ai prévu de parler de ça. Ça sort comme ça sort là. Merci d'avoir partagé mon direct, monsieur Michel. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le spirituel, s'ils ont à te dire, ils vont te localiser là où tu es, ils vont te parler. Tu ne comprends pas ici, tu te tournes comme ça, là-bas, ils vont te parler. Tu ne comprends pas là-bas, tu pars à Mbomoka, ils vont te trouver là-bas, ils vont parler. Vous devez avoir l'oreille. Vous devez avoir l'oreille. Paris, merci. Et quand tu as l'oreille, il y a des personnes parfois qui ont dit, voilà, elle fait son témoignage, elle dit, voilà, je suis restée, j'ai écouté tes vidéos, j'ai fait un rêve, l'esprit m'a dit de prendre tel kit chez toi. Vanessa dit que comme le sujet des porcs, je t'assure que le sujet des porcs avait le goût. La période où j'ai parlé des porcs, mamie. J'étais en train de dealer avec les porcs dans ma vie moi-même. Ça avait le goût. Quand je parlais des porcs, mon frère, il sentait comment ça me plaisait moi-même. Je n'étais pas sur TikTok la période là. Je n'avais pas fait les directs TikTok. Ah! J'avais parlé des porcs comme ça, c'était sucré. Tchai! Non, affaire de porc là, ça m'avait délivré, ça m'a beaucoup aidé. Laissez seulement comme ça. Elle dit que non, j'ai rêvé dans la nuit,
J'ai rêvé comment l'esprit m'a... J'étais en train de faire des tequites ou bien tout comme ça là. Elle se lève le matin. Elle achète un kit seul. Elle fait. L'autre peut-être dit que j'ai rêvé, j'ai vu comment j'étais en train de me laver. Ma mère était derrière toi. Ou bien quand elle parle de kit, tu tombes dans le direct comme ça là, je commence à parler d'un kit. Tu dis, ah, je veux le kit. Tu pars, tu achètes ton kit toi-même. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour me parler. Tu prends, tu regardes la vidéo, tu fais, tu fais. Après, tu vois, comment je te libère. Il y a une là, elle est en France. Elle me dit que chaque fois que je fais un travail sur elle, soit il y a un animal qui sort de son corps, elle va rêver comment toi, un, tu vas sortir de ses genoux, soit un, tu vas sortir de sa tête, soit un, tu vas sortir. Il y a une partie de son corps, ça va délivrer. Je ne l'ai jamais vu, hein. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il y a une autre qui a commencé à m'écouter, ça fait peut-être 6-7 mois. Elle était dans une relation avec un gars là qui avait une belle-mère. Un gars, je ne vais pas dire un village du Cameroun. Voilà. Et ça, la belle-mère là, c'est une belle-mère, Ticone. Elle rêvait souvent, moi, sa belle-mère a volé son porte-monnaie, des choses comme ça. Elle est tombée dans mes vidéos comme la drogue. Parfois à 2 heures, elle copie une vidéo, elle m'envoie, elle me dit que la vidéo, ça me parle. 5 heures, elle dit la vidéo, ça me parle. Après, elle me dit, voilà, je suis en séparation. Après, elle dit, voilà, je cherche la maison. Après, j'ai trouvé la maison. J'attends mes papiers de 10, mes papiers de combien, un an renouvelable pour pouvoir commencer à... Et à un moment, elle ne veut même pas faire les envois. Il fallait qu'elle parle d'une autre ville, donner l'argent à un homme pour qu'il envoie. Un homme là pour qu'il envoie sa carte, ses papiers. Après, je crois en fin décembre ou en fin janvier, elle a eu le titre de séjour. Donc, comment elle voit comment sa vie en train d'évoluer. En 6 mois maximum. Je ne l'ai pas encore vu. Elle restait, elle dit que je dois acheter le bâton de commandement. Je ne sais pas pourquoi, mais telle chose m'attire. Je dois acheter. Je sais que je dois acheter le Honda. Je dois acheter le chapeau. Vous aimez trop qu'on vous force pour faire les choses. Ton esprit même doit savoir qu'il veut sortir du trou. Et je dis toujours, je ne vais pas vous appeler tous les jours. Hein. Mais soyez sans suivre, vous allez venir me trouver sur le direct ici là. Vous allez me trouver en train de faire le direct. Donc si tu as seulement un peu de patience pour te connecter, tu te connectes, tu regardes ce qu'il dit. Tu veux pas le faire, il n'y a pas de souci. Il y en a qui viennent pendant une période. Vous attendez peut-être à ce que je dis non. Après, je te fatigue. Tu te fatigues, tu m'insultes même, tu pars. Il n'y a pas de problème. On vient d'être escroqué, ma chérie. Tu veux savoir combien on m'a escroqué aussi? Escroquerie, c'est pas un souci, hein? Mamie. Allô? Oui. Ça va et toi? Dans 1h30. Tu as déjà mangé? Tu as fait quoi? Ah, d'accord. D'accord, pas de souci. À tout à l'heure. Je veux que vous compreniez que vous avez la capacité
de vous libérer vous-même. Est-ce que c'est possible pour une personne qui n'est pas choisie d'acheter des objets spirituels que les chapeaux, tenues traditionnelles? Non, tu m'as... Toi là, je te connais, hein, mamie. Bonjour. Il y a aussi beaucoup parmi vous ici là. Vous faites un faux semblant de... c'est même pas faux semblant. Votre interprétation de ce que les esprits disent, c'est très très bizarre. Oh, j'ai le chapeau, on m'a dit de ne pas porter. Que si je porte, ils vont me bloquer. Les ancêtres ne bloquent pas quelqu'un. Les ancêtres ne te bloquent pas, ils te libèrent même au contraire. C'est un peu comme si tu sais que Dieu te bloque. Dieu va te bloquer pourquoi? Si Dieu te bloque, Satan va faire quoi dans ta vie? Je connais beaucoup d'entre vous là. Je vous connais. Parfois, vous venez vous me tenter un peu là. Vous restez dans vos chambres là-bas, vous me regardez tous les soirs. Vous venez, vous faites comme si vous ne connaissez rien dans le spirituel. Vous ne regardez pas. Allez, dès que vous écrivez un message, dès que vous écrivez là, je vous vois. Il y a une femme en Suisse, une fois, elle me contacte. Déjà, pour que je connais qu'il y avait la femme, ça ne s'est pas passé. Hein. Elle avait toutes des visions bizarres, une façon bizarre d'interpréter ce que les ancêtres disent. Oh, les ancêtres m'ont dit que mon fils est bloqué. Ils m'ont fait, je l'ai mis sur la table, je l'ai lavé avec quoi là, je l'ai fouetté avec telle chose. Après, dans la nuit, j'ai vu dans le rêve comment on est venu le taper. On l'a fait comme ça là. Après, ils m'ont donné les instructions de prendre telle chose, je mélange avec ça. J'ai dit que maman, j'ai dit à mon cœur, pourquoi vous compliquez tellement les ancêtres? Pourquoi vous les compliquez? Hmm? La vie spirituelle est faite pour être portée. Moi, au départ, j'avais cette peur-là. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit que non. Porte. On a augmenté que mets les coris sur ça, mets les coris ici, là, mets les coris ici, mets les coris ici. Souvent les gens disent que oh, ils m'ont fouetté. Ils m'ont menacé. Je dis, vos guides là vous menacent que comment, non, papa? Ils font ça que comment? Hmm? Ils font ça comment? Dites-moi aussi. Donc, quelqu'un vient, il est censé t'aider. Il te fouette. Après, il te menace. Il bloque ton argent. Il te fait ceci. Après, encore, il vient, il t'aide, il te ouvre tes portes. Pourquoi il a d'abord bloqué tes portes? Hmm? Et souvent, le discernement, non. Moi, je suis quelqu'un que je questionne beaucoup les choses. Je questionne. Donc, ils m'ont donné. Voilà, ça fait partie de ce que je devais dire dans le direct ici. Beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des blocages, ou bien vous en avez déjà, vous êtes en plein blocage. Soit ton compte est bloqué, soit tu fais un virement. Beaucoup de personnes font ces derniers jours aussi. Tu fais un virement. J'ai une jeune fille là. Ça fait juste avant de lancer le direct. Elle dit qu'elle est avec un homme. Elle est sûre que il est envoûté par sa précédente copine. Donc elle envoie les sous pour qu'on fasse le travail sur lui. Monogramme bloque l'argent. Elle me dit, maman, je suis dépassée. Je dis que non, ma chérie. Ton blocage, c'est parce que tu es déjà au bout de la chose. Tu es là au bout de la chose. Shining Diamond, il ne te bloque pas. Bah, je dis que explique pourquoi il bloque, ça me dépasse. Il ne te bloque pas. C'est dans ta tête. C'est un peu comme si tu viens, je suis envoyé pour t'aider et je commence à te bloquer. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu as une mauvaise interprétation de celui qui est censé t'aider.
Même dans tes prières, toi, tu vas leur parler, tu vas dire, ah, ne me bloquez pas. Ouais, je sais que c'est vous qui m'avez bloqué depuis. Ce n'était même pas d'abord eux. Imagine un ange qui vient pour te bloquer. Attends, ok, le diable alors va faire quoi? Quel sera le rôle du diable? Le diable va rester, va dire, mais ça va. Je... Et son ange va la bloquer, ben, il faut que je parte aux Bahamas, là. Ah, mais l'arrête, je ne jette pas le coup d'œil sur toi. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Passe le temps sur TikTok à chercher les gens qui vont vous regarder. Comment te regarde là, tu sais que j'ai que l'œil pour te regarder. C'est avec que j'adore qu'ils sont en train de te regarder. Arrêtez de vous ouvrir n'importe comment aux gens. Tchao, oh là là. Chaque jour, je parle de ça ici. Je parle de ça sur TikTok. Discerner les esprits. Souvent, tu le regardes comme ça. Tu poses même la question à tes guides que si c'est la personne aussi que vous m'envoyez, confirmez-moi la nuit. Tu pars, tu te couches, tu dors. Tu vas voir la nuit comment on va. Il y en a que je ne travaille même pas là-bas sur tout le monde. Souvent, quelqu'un me dit que j'ai fait ça après. J'ai demandé avant de dormir. Dans la nuit, il vu comment tu es venu chez moi. Il dit que là, c'est bon. Dans la nuit, il vu comment une est venue même ici là. Ce matin. Oui, pour prendre le donne-moi tout. Elle me dit qu'elle a fait un rêve où elle était sous mon aisselle ici là. Genre, elle était sous ma protection. Que demander à vos ancêtres, ouais, Seigneur. Donc, vous êtes aussi seulement là. Quand tu tombes sur quelqu'un sur TikTok, tu ne connais pas qui est en train de te parler. Testez les esprits. Demandez, et même si tu ne connais pas à qui parler encore, Seigneur Dieu, la force positive, je te parle. Tu sais que la femme, si je dois acheter les produits de la femme, si elle, dis-moi, montrez-moi. Te couche, tu dors. Si tu fais la prière à 3 jours, tu ne vois rien, on te montre rien de particulier. Je ne pensais même pas. Parce que les ancêtres, tout ce que tu demandes, déjà dit demandez et vous recevrez. Parce que vous ne demandez pas. Vous préférez rester comme ça, vous êtes aussi perdu. Élan, élan. Il y en a que quand vous tombez sur mes vidéos, vous êtes sous l'emprise d'abord de certains pasteurs. Et comme ça fait 5 ans que tu avais le pasteur, tu te dis que ah, je ne peux pas quand même quitter comme ça. Demande. Parce que depuis ton esprit en tête, dit qu'il faut que tu arrêtes là-bas. Et je vous dis encore, je ne poursuis pas les gens. Je ne suis pas là pour vous recruter. Je ne cours pas derrière les gens. Mais je veux que là où tu pars. Parce qu'il y a des gens aussi qui quittent à côté de moi. Il y a des gens qu'on veut, à un moment donné, qui quittent derrière la femme là. Tu quittes, non. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui vient derrière moi reste. Mais dis-toi que nous, tu vas partir n'importe où. Demande, Seigneur, est-ce que c'est avec la femme qui doit rester? S'il te dit oui, c'est bon. Aïcha dit que tu m'as vu. Je suis venu te sourire dans ton rêve. Ok. Tu as fait le. Merci, dit que tu as fait le rêve où tu me donnais quelque chose. Et j'ai donné à un vieux. Ça veut dire qu'il y a sûrement un sacrifice que je dois faire pour toi. Toi, la merci, ce qu'il a, mon Dieu. Mado, tu dis que les ancêtres parlent en parabole. C'est à nous de nous remuer les méninges. Non. Même ça aussi, je ne pense pas. Le spirituel n'est pas compliqué. Il y a des rêves que tu peux faire. Tu rêves d'un serpent. Dans le serpent, dans le rêve, le serpent te poursuit. Tu fuis, tu te réveilles comme ça. Ah, tu as la sueur. Merde. Un autre rêve, tu vois le serpent. Le serpent vient, tu sens une paix. Comme tu t'es réveillé des deux rêves là. Les deux rêves, tu as vu le serpent. Le serpent n'a pas parlé. Mais n'oubliez pas que vous êtes d'abord esprit. Ton esprit, quand tu viens de te réveiller, demande que ça veut dire quoi. Quand tu te réveilles, prends même quand même 5 minutes, 20 minutes. Tu t'assois sur ton lit. Et parfois, il y a des décisions que quand tu veux prendre ou bien des interprétations, tu dis, je ne comprends pas bien. Éclairez-moi encore plus. Éclairez-moi encore.
journée ou bien tu vas tomber sur une vidéo dans la journée ou bien je sais pas. Vous devez comprendre que l'univers va vous parler de 50 millions de façons. Il n'y a pas un... Parce que vous allez... Ah, comme j'ai posé la question, il va venir dans le rêve me dire... Ou bien, Jocelyne, ta réponse c'est oui. Non. Et oui. Non, la spiritualité n'est pas comme ça. Je dis que toi, tu m'as vu dans le rêve, je suis venu. Je t'ai répété le verset qui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et l'argent apparaissait. Waouh. L'argent apparaissait dans ton rêve. Ça, c'est super. Venez jouer avec vos faux rêves. Dites vos rêves. TikTok, si vous voyez, ici, là, j'ai TikTok et j'ai Facebook. Les commentaires de TikTok, c'est toujours des conneries. TikTok, vraiment, c'est le réseau comme ça, là. C'est, chacun aussi est sur ça, comme ça, là. On flippe, seulement. Vous ne voulez pas mûrir. Pas de maturité. Mais que tout vous soit donné. Et ça fait partie du processus. Moi, c'est comme ça que quand je forme les enfants dans mon école, je ne leur donne jamais rien qui est déjà complet. Jamais. Mais j'ai lu les messages, je suis obligé. Tu me trouves dans mon direct, tu me dis de lire vos messages. Hop, voyez-moi les choses. TikTok, c'est... Les enfants de TikTok, c'est là. Ils te voient souvent, ils pensent que comme tu fais le direct là, c'est parce que tu manques l'argent pour manger. Hop. Tu vas voir qu'un tintama sur le canapé de sa soeur. Il squatte sur le canapé de sa soeur depuis 3 mois. Il va venir te parler n'importe comment. Vous avez besoin de comprendre que Dieu va parler d'une façon ou d'une autre. Et dans le processus, quand tu fouilles en toi, tu apprends à écouter la voix de l'esprit. Tu apprends à écouter la voix de l'esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, l'esprit ne parle pas physiquement. L'esprit te guide, tu as une intuition, c'est une sensation. Ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Très souvent, vous cherchez l'approbation des gens. Vous voulez que les gens confirment ce que Dieu vous a dit. Ça ne peut pas se faire. Quand je prends les enfants, je travaille avec eux. La plupart du temps, j'aime quand les enfants construisent quelque chose eux-mêmes. Donc, l'enfant prend le gâteau. Au lieu de venir vous donner le gâteau, vous mangez. Je prends les ingrédients, je mets devant vous. Ça m'importe pas si tu fais le gâteau à la fin, ça ne gonfle même pas, ou c'est un faux gâteau. Oui, tu vas manger le gâteau des autres après. Mais ce qui m'importe, c'est que tu aies traversé le processus. Tu as pris l'œuf, tu as mis la farine, tu as mis le sucre, tu as mis ceci. Parce que dans le processus, tu te transformes. Après, tu as mis au four, tu as regardé, tu as attendu 30 minutes. Tu as touché, tu as vu, est-ce que c'est prêt? Celui qui a tourné la pâte du gâteau, il l'a fait, même si ça a échoué. Il est différent de celui qui est parti à la boulangerie acheter le gâteau. Vous n'êtes pas la même chose. Donc vos obstacles, vos blocages, vos refus, les refus que tu as eus, les échecs que tu as eus. Et quand tu échoues même là, quand tu échoues même, si tu remontes bien, quand tu échoues, assois-toi. Tu dis que j'ai échoué. Qu'est-ce qui a fait moi que j'échoue? Ce n'est pas l'argent que j'ai perdu. Ce n'est pas les années que j'ai perdu. Tu vas voir que oui, juste avant que je me lance, la nuit d'avant, j'avais fait un rêve.
J'ai une personne avec laquelle j'ai collaboré comme ça. Ça fait peut-être 6 ou 7 mois. Je me rappelle, j'étais arrivée dans la ville où je devais faire le truc avec la personne. J'appelle un de mes collaborateurs, je lui dis, tu sais quoi? Je n'aime pas quand je suis indécise sur une décision, quelque chose comme ça. Mon intuition me dit non. Ma tête me dit oui. J'ai finalement fait la chose. J'ai dit que vraiment, je vais quand même lancer. Mais je ne sais pas, je n'aime pas quand je suis trop indécise comme ça. Quand j'ai lancé, je n'ai même pas fait 2 mois. J'ai regretté amèrement la décision. Quand j'ai échoué donc sur ce truc, je me suis mise après, j'ai observé que j'ai échoué. Qu'est-ce qui a fait mon échec? Là, je me suis rappelé. Il y avait des signes que je refusais de voir. Il y avait des signes. Parce que ça va encore arriver demain. Parce que vous pensez que vos tests sont uniques. Les tests ne sont pas uniques. La vie, c'est là, il y a les UV que tu dois valider. Certains d'entre vous avez fait le même UV depuis 15 ans. Dans le rêve, on te dit fais ça, fais ça. Tu te lèves, tu dis ah, j'ai fait pourquoi? Ne fais pas, tu vas aller là. Tu vas aller là, ton mariage va se gâter. Tu vas encore rester quelques temps plus tard. Dieu te donne une opportunité, tu rencontres encore un homme. Après, il te montre que fais comme ça, fais comme ça. Tu dis, ah, non, c'est trop, ça va. Et que de ta dernière relation, tu as retenu quelle leçon? Tu refuses. Tu te lances encore. Tu tombes dans le même test, même échec. Ça fait 5 relations comme ça, 5 relations. Ma chérie, tu vas encore te taper 5 relations si tu ne fais pas, tu n'apprends pas. Tu rêves de manger, je vais te bloquer. Tout à l'heure, vous savez, là. Je rêve que. On ne dit pas ces rêves à n'importe qui. Voilà tout pour vous là-bas. Parle-moi, dis-moi. Vous êtes spiritual junkie. Qu'est-ce qu'on appelle spiritual junkie? Un junkie spirituel. Un junkie spirituel sont les personnes que vous passez de personne en personne. Tu passes ici, tu prends un peu. Tu pars là-bas, tu prends un peu. C'est tout à part là-bas. Tu ne veux pas regarder à l'intérieur de toi. Tu ne veux pas mûrir. Tu ne veux pas. Ne te dérange pas. Tu vas tomber dans les mêmes pièges. Encore. Et encore. Et encore. Et puis quand tu commences à mûrir, tu restes comme ça, tu vois les choses qu'avant. Pour moi, ce que la spiritualité m'a apporté. La fille qui dit que je te situe là, arrête. Hein. Lavage au sel ne se fait pas pendant que... Je suis en train de parler de quelque chose, ne venez pas me distraire. Ça ne se fait pas pendant que tu es indisposé. Je dis ça sur la page, c'est là tous les jours. Arrêtez de m'interrompre pour des conneries. Il y a le numéro sur la page. Tu peux écrire là-bas, tu demandes. C'est tellement mal élevé que tu vois quelqu'un te parler quelque chose. Tu viens, tu veux totalement l'emmener dans une autre direction, dans une autre tangente. Des trucs comme ça, je bloque souvent. Hein. Je te dis, tu me fais ça 2-3 fois, je te bloque. Voilà. Tu peux pas faire tes bêtises à la distance. Ailleurs. Ce que j'ai appris dans cela, c'est quoi? J'ai compris que je dois me faire confiance. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Même avec vous ici. Vous me forcez à quoi? J'ai pris mon téléphone, c'est moi qui est connecté, non? Vous me forcez à quoi? Vous me forcez à quoi?
C'est ce que vous me donnez là, les fleurs que vous me donnez, ça me donne donc quoi? Et sans le savoir, il y a des mois, je pensais que j'étais libre. Je vois que j'ai tellement de personnes autour de moi qui essayent de me contrôler. Parfois, tu as même tes employés qui te contrôlent sans savoir. Ces personnes te manipulent. Parfois, tes enfants même te manipulent. Oui. Ce que j'ai appris, c'est de faire confiance en ce que je ressens en moi. Et il y a toujours ce feu vert, ce feu rouge là, comme une sorte d'alarme qui va faire dans ton cœur. Quand on te force à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, tu sens comment ton corps fait un jas. Je dis non, hier j'ai une décision que j'ai prise. J'hésitais tellement. J'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, je me sens mal. 2, 3, 4 jours. Quand je dis non, je me sens bien. Après, la personne me dit, oh non, pourquoi tu as refusé de faire? Tu fais toujours comme ça. Je me sens mal, je dis que ouais, il a raison. Je fais toujours comme ça. Après, je reviens, je dis ok, oui, je vais faire. Après, à 5 heures, j'étais en train de prier. Je crois qu'on faisait le chapelet ce matin. On faisait le chapelet quand? C'était ce matin, je pense. Il y avait un des sujets du chapelet, un des sujets de prière. Quand j'écoutais, l'esprit me dit, je n'étais pas libéré pour que tu sois encore dans les mêmes prisons. J'ai dit à la personne, c'est quoi? Ma réponse définitive, ce sera non. Et c'est quelqu'un qui est émotionnellement lié à moi. En disant non, c'était genre, je n'ai pas donné d'explication, genre, pourquoi? J'ai dit non, je ne veux pas, je ne le sens pas. Oui, I don't feel it, I don't... Est-ce que vous savez que c'est un luxe de dire même à quelqu'un que je ne veux pas? Genre, non, pourquoi? Parce que je ne veux pas. I don't want to. C'est tout. C'est tout. Je ne veux pas. Pourquoi tu regardes la personne comme ça? C'est là que tu vois le tantrum. Tantrum en anglais, c'est les... Il te sort les phases. Oui, c'est toujours comme ça que tu fais. Voilà. Voilà les gens, des personnes qui te manipulent. C'est par eux que les mauvais esprits passent pour te manipuler, pour te frustrer. Ce que je viens de vous dire là, oh là là. Quand j'ai commencé à me libérer financièrement, genre, je ne dors plus chez quelqu'un, je n'attends plus le cadeau de quelqu'un pour me mettre à l'aise, je n'attends plus que quelqu'un m'amène au restaurant, je veux faire tout les faits. Je veux partir dans un pays, je prends mon billet d'avion, pars. Je veux ma voiture, j'achète la voiture, je conduis. Je veux rester louer une grosse voiture, louer moi je conduis pour une journée ou deux jours. Ça me plaît. Je reste un hôtel me plaît dans la ville, je pars, je laisse ma maison et pas dormir à l'hôtel là, ça me plaît moi. Quand j'ai commencé à me libérer financièrement des gens autour de moi, l'autre impact ou l'autre hold, grab, en français c'est quoi, traduisez pardon, l'autre accroche que les gens avaient sur moi, c'était la partie émotionnelle. Et ça c'est un bondage. Bondage, oh my God, l'anglais ne fait que sortir de ma tête. Ça c'est un blocage. Captivité, merci beaucoup. Une captivité carrément. Souvent, quelqu'un vient, il te fait le chantage. Je suis ton propre agent. Jesus. Je vois comment il me sent. J'ai dans la pression de sortir. Je dis, attends un peu. C'est mon agent, non? Oui. Je donne à qui je veux, non? Oui. Je dépense comme je veux, non? Oui. Est-ce que je suis obligé de donner à la personne? Non. Mais dis non. Mais dis non. Je t'écris, je dis non, je ne fais pas. Ah! Parce qu'il y a les phases dans la vie. Il y a la phase où on te fait le chantage pour te donner l'argent, quand tu es encore pauvre. Il y a la phase où on te fait du chantage quand tu ne donnes pas. Chai, l'autre là, hein.
I don't want to. Je préfère aller prendre même deux orphelins là-bas. Oui, j'en vois, je les vois même pas. Attends, j'en vois. Je me sens bien. Voilà, tu n'aimes pas quand tu dis non, on te flatte. Voilà. Tu as l'impression qu'on veut te corrompre l'esprit. C'est ça. C'est ça. Il y a des moments parfois où je suis même dû avec les gens volontairement. Je peux te mettre sur un salaire de 500 000. Hein. Mais comme on s'est entendu au départ que je vais te donner 100 000, je te garde sur tes 100 000. Je vois ta réaction. Je vais te donner 100 000, ça ne me dérange pas. Je te garde sur tes 100 000, je te regarde. Le jour où tu fais, tu donnes un pourboire peut-être 50 000, tu vois comment la personne fait. Je dis, Ok. Faut tu vois la personne qui m'a dit, je mérite même plus que ça. Hein. Et je dis, oh, d'accord. Now you're talking. Maintenant tu parles. Parce que le chantage émotionnel, ça c'est l'une des portes que l'ennemi va utiliser beaucoup sur vous. Parfois ça vient de tes parents. Ils savent que tous les mois tu leur donnes l'argent. Il y a une personne qui a dit cela une fois que. Je crois que dans la vidéo je disais, même si c'est 3 000 par mois, même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, envoie. Bonsoir Joko. Donne quand même à tes parents avant d'évoluer. On commence par 5 000 avant d'arriver à 50 000. L'autre me dit que ce que ma mère ne va pas prendre. J'ai dit que ouais. With who? You've been what? Je cherche ton orange money, je te dépose ça. Tente un peu de me renvoyer l'argent là, tu vas voir. Tente de me renvoyer l'argent là, tu vas voir. Quand tu es ma mère ou tu es mon père. Parce qu'ils ont souvent une façon là. Tu leur donnes l'argent et ces personnes, il y en a autour de vous parfois. Tu achètes ton téléphone. Tu as le téléphone depuis 3 ans. Tu protèges la vitre de devant, tu protèges le derrière. L'autre, c'est que comme c'est ma fille, et elle a l'argent, non? Et que tous les ans, il peut gâter son téléphone. Tu vois, il lance le téléphone comme ça, crac. Tu vois, tu appelles même 2 jours, il ne répond pas. Tu avais déposé le téléphone, oh, les enfants avaient pris, ils étaient partis. Garde le téléphone, là, tu vas voir s'il va t'acheter encore l'autre. Tu vas voir ton autre enfant, pas moi. Et te dis moi, oh, frère, je vais te bloquer, tu as compris. Je n'ai pas me distraire aux questions. Questions sordides. Ces personnes se sentent la liberté d'utiliser votre argent. Parce que c'est qu'elle va te dire, ah, mon téléphone est gâté. Elle va te dire ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu vas te sentir psychologiquement redevable. Ce que je dis là, certains d'entre vous, vous connaissez de quoi je parle. Mes enfants, je leur ai appris à payer pour leur. Tu payes pour tes erreurs, je ne blague pas. C'est pas parce que tu es mon enfant. Tu prends le téléphone, tu négliges, tac, 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 tu casses. Tu as cassé. D'accord, tu vas voir. Tu vas apprendre à protéger ton téléphone. Tu vas apprendre à t'occuper de ça. Ma mère m'avait menacé. Elle a dit, elle ne prend pas 10 000. J'ai fait le dépôt, elle m'a rappelé. Ah, Yann. Vous ne savez pas gérer vos parents. Je prends tes 10 000 et pas faire un don dans les orphelinats tous les mois avec. Tous les mois. Et quand tu commences à monter spirituellement, tu commences à devenir discipliné, tu commences à devenir strict aussi. Inconsciemment, tu deviens strict. Et ce que tu acceptais avant, souvent, tu n'as même pas gâté au téléphone, après, ça devient ton problème. Tu dis, mais maman, non, arrête. Je suis en train de construire ma vie. Parce que quand tu commences à devenir spirituel, tu commences à mettre. Hier, j'ai beaucoup parlé de suicide dans le direct. Les choses qu'on n'a pas fait pour toi, tu veux faire ça pour tes enfants. Ce qui fait que
Tu peux raison, ça dit que tu vois même un terrain, un 200 mètres carrés quelque part. Tu dis, il faut que j'achète ça. Je mets son nom de mon enfant. Dans 15, 20 ans, l'enfant va vendre ça, ça va l'aider. La mère commence à dire, oh, ma maison est cassée au village. Ma maison est tombée. Wow! Et très attention au chantage des parents. Hein. Ça devient maintenant ton objectif principal. Souvent, tu as un oncle qui reste comme ça là-haut. C'est lui qui vit dans la maison. L'autre, c'est la fatale. C'est lui qui reste dans la maison au village. Toi, tu es peut-être en Beng ou tu es dans une autre ville. Il reste, il a une vision, il a une épiphanie. Il dit, il faut qu'on arrange la maison du village. Il sort ça dans le forum familial. Hein, parce qu'il sait que c'est lui qui vit dedans. Donc voilà, c'était la maison de notre père. C'était... Il sort le devis, 2,5 millions. On divise. Voilà qu'on vient mettre les trucs, les responsabilités sur toi. Alors que toi, tu avais tes projets. Ok, dans les 6 prochains mois, voilà d'abord, je dois faire ça, je dois épargner pour les enfants, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il dit non. I got my plans. J'ai mes projets. Quand tu commences à t'éveiller spirituellement, tu deviens strict. Tu deviens discipliné. Tu vas parfois te retrouver à te dire non pour certains trucs qu'on te prenait facilement comme ça. Là. Moi, au début, je restais souvent ça dans le groupe familial. Je dis, ça y est. Envoyez-moi vos OM, je vous fais le transfert. Si quelqu'un de ma famille, cela, il va savoir que j'ai dit la vérité. J'ai dit que ce que je dis là, c'est la vérité. Je dis, ça y est. On dit, yé. Je dis, envoyez, donnez vos... Quand vous avez 24 heures pour envoyer vos OM à mon comptable, on envoie, ils sentent seulement l'argent. Ils sentent l'argent. Ils sentent l'argent. Ils sentent l'argent. Je suis resté, c'est fini seul dans mon corps. C'est sorti sur moi. C'est fini que... Comme tu dégonfles le ballon, tu suces l'orange, après il n'y a plus rien sur ça. Parce qu'à un moment, c'est devenu comme c'est le devoir. Ils ne savent pas que je faisais ça parce qu'ils voulaient. J'ai eu une fois une sorte d'interaction avec un membre de ma famille. Et il dit, mais n'est-ce pas, tu as... Je dis que quoi? On est cousins, nous. On est cousins, nous. Ça veut dire que mon père ou ton frère... Non, attends. Mon père, c'est le frère de ta mère ou de ta... Ça veut dire que nos deux parents, là, sont sortis du même ventre. N'est-ce pas? Et généralement, il y a une petite différence. Les cousins-cousines, généralement, les différences, c'est maximum 5 ans entre vous. Oui. On va attendre un peu, j'arrive. Je dois aller chercher quelque chose qui est très important pour moi. Je vais mettre la clim.
puis un moment, discipline stricte. Tant que tu es dépassé, tu n'oseras pas dépasser, ma chérie. Tu n'oseras pas dépasser, tu vas te comprendre. Parce que Dieu ne donne pas ou il n'ajoute pas à quelqu'un qui ne s'occupe pas de ce qu'il lui a donné. Et ça, c'est l'un des principes spirituels que vous ignorez. Hier, je vous ai parlé du focus, la concentration. Dieu ne va pas te donner, s'il t'a donné un peu, il a vu que tu n'as rien fait avec. Il ne va pas augmenter. Pamela, j'ai pris du poids. Oui. Parce que je vais bientôt accoucher. Donc, vous m'envoyez les habits du bébé. J'attendrai que vous m'envoyez les habits du bébé. Quand vous venez au Cameroun, ne m'apportez plus le vin. Je ne veux plus le vin. Vous aimez trop ça, vous m'envoyez le vin tous les jours. On n'a rien à faire de votre vin. Vous m'apportez les champagnes, les ceci. Et beaucoup de personnes ne prennent pas... Vous ne prenez pas le cheminement dans lequel vous êtes au sérieux. Vous négligez. Vous pensez toujours que votre solution doit venir d'une autre personne. Vous ne savez pas que vous êtes en pleine transformation ou en pleine formation. On est en train de vous montrer quelque chose. On te fait passer par un processus. C'est un peu comme quand tu arrives en Europe. Tu ne te plies pas à la façon de fonctionner de l'Europe. Tu vas souffrir. Il y a les pays que tu arrives, tu n'apprends pas la langue, tu vas souffrir. Et depuis là, vous avez des dons. C'était parmi vous voyez dans le rêve, comment vous mettez sur des chaises. Mais vous vous levez, vous êtes toujours genre, je suis perdu. Vous avez cherché le savon de mon bébé. T'as cru que vous avez le savon à mon bébé. En tout cas, vous verrez ce que vous allez venir avec. En passant, beaucoup d'entre vous, quand tu commences à croire que tes guides te parlent, ils te montrent. Tu vas voir que dans le rêve, les voies de communication sont plus d'abord dans les rêves. Deuxièmement, par ton intuition. Troisièmement, ils vont souvent t'envoyer des signes, comme une vidéo, des choses comme ça. Et quand tu vas écouter, ton esprit va, quelque chose en toi va s'activer. Oui, Mlo, on te parle pas à travers le jeûne. Quand tu jeûnes, c'est pour... Tu mets comme un instant où tu les adresses. Le jeûne, en fait, c'est toi qui t'approches d'eux. Je ne sais pas si tu comprends. Tu t'approches d'eux avec une doléance. Maintenant, tu peux jeûner, ils te parlent, mais tu ne comprends pas. Parfois, il y en a parmi vous, vous êtes tellement puissants que vous n'avez même pas besoin de jeûner. Ils vous parlent. Et beaucoup d'entre vous, vous négligez vos rêves. Bon, il y a aussi une autre explication. Certains m'ont dit, je ne me rappelle pas de mes rêves. On rêve tous. Mais il y en a parmi vous. Bonsoir la chinoise. Certains parmi vous, ce que vous partez faire quand vous dormez est tellement fort que vous n'êtes même pas censé vous rappeler quand vous revenez. Je sais que les gens du mauvais côté on vous ont fait craindre ça. Mais c'est une partie de vous. Quand on était petit, par exemple, on disait qu'elle a quatre yeux. Quatre yeux. C'est qui a inventé quatre yeux? Ça va être quatre yeux, non? Un truc comme ça. En tout cas, elle a quatre yeux. Il faut qu'on ferme deux. Elle voyage la nuit. Ce n'est pas bien. Il y a des personnes qui ont des dons spirituels et c'est pendant la nuit que vous partez aider les gens. Oui. Quand ma part a déclenché, c'est là que. C'est comme si c'était en une période comme ça. Tellement de personnes me disaient que tu es venu dans mon rêve, Seigneur, tu es venu dans mon rêve, tu es venu dans mon rêve. Alors qu'avant, c'était pas genre. Non.
J'ai compris que c'était un de mes dons. Il y a beaucoup de choses que vous devez... Parfois, on vous a fait mal interpréter ces choses-là. Parfois, tu avais une personne qui connaît. Et voilà la méchanceté de certaines personnes. La personne connaît. Et la personne sait que tu ne connais pas encore. Stacy, donc, tu veux le secret pour tomber enceinte? Tu fais l'amour tous les jours d'abord. Hein? Parce que tu dois bien faire l'amour d'abord. Ne venez même pas me distraire. Ne venez pas, je veux parler ici. Là. Mon secret pour tomber dans un deux. Faut bien. Faut bien. Il faut faire l'amour. Trouve un gars qui ne te laisse pas respirer d'abord. Tu as compris, ma chérie? Il ne te laisse pas respirer. Dans quelques temps, on va dire peut-être dans quelques mois, je vais vous raconter mon parcours. Mon parcours. Un peu plus personnel, sur une note un peu plus personnelle. Donc je reviens aux personnes. On va laisser d'abord pour la grossesse, laisser d'abord c'est un pas à côté. Il y a des personnes que quand tu t'éveillais, ces personnes ont senti que la fille est en train de se réveiller. Facebook, je vous connais. Les femmes vicieuses de Facebook, c'est là. Vous allez commencer à rire pour que je parle de ça. Laissez-moi tranquille. Donc, laissez-moi dire d'abord ceci, c'est très important. Je sais que les femmes, c'est là, vous faites l'amour tous les jours. Je vous connais. Alors, pardon. Laissez-moi. N'attends pas le jour où tu es féconde avant de partir faire l'amour, ma chérie. Tu dois faire, même le premier jour après tes règles, tu peux faire. Tu n'as pas l'espace à l'enfant pour respirer. Il doit seulement qu'entrer. Excusez-moi. Pardon. Ouais, Seigneur. Bonsoir, Bétra. Souvent, tu vois une femme et dit, je n'arrive pas à concevoir. Tu la vois crâne souvent pour faire l'amour. Ma chérie, il est crâné. Dans le sperme, là, on ne connaît pas la vitesse. Peut-être qu'il y a la vitesse de lundi. Peut-être ceux de lundi font la résistance. Ceux de vendredi font le sprint. Tu vas attraper tous les jours. Il faut attraper tous les spermes là. Tu mets ce manéda. Pourquoi vous donnez le genre de conseil ici? Est-ce que c'est normal? Ça me fait un peu rire, c'est trop sérieuse. Et quand vous prenez le thé de désenvoûtement, pugez-vous aussi avec. C'est important. Pugez-vous avec, c'est très important. Faites des offrandes à l'eau. Fais des offrandes. Engage tout ce qui est spirituel que tu connais pour demander ton enfant. Oui. Tout ce que tu peux engager. Offrande à l'eau, sacrifice, ceci, cela. Tu attrapes même l'homme. Tu fais même le travail spirituel sur lui. Oui. Que c'est n'importe quoi qui gâte ton sperme là. That sperm go run. He go fly. Mm-hmm. That sperm, he go fly in my belly. Ça va que voler. Oui. Il y a certains hommes que tu rencontres, lui. Vous avez fait ce qui était sur mon sujet, non? Je rencontre l'homme comme ça, là. Lui, il a tellement essayé avec les trois dernières femmes. Mais, tu n'es pas entré. Tu ne sais pas que dans sa famille, il y a quelqu'un qui a mis un veto sur lui qui ne doit pas avoir. Il ne va plus faire d'enfant. Ou bien il va beaucoup souffrir pour faire l'enfant. Tu tombes derrière lui. Mof. Tu engages les prières. Tu fais le jeûne. Tu finis le jeûne. Le jour où tu finis là, mon frère, tu tombes derrière lui. Vous faites la mousse quand t'as pas vient. Tu prends sa photo, tu envoies, il fait son lavage. Et ton sperme là, ça va que donner.
Tu prépares son bain, tu lui donnes, il se lave avec. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui sont bloqués. Beaucoup. Et vous ne savez même pas. Tu le rencontres bien, il travaille, tout ça là. Tu ne sais pas qu'il y a une tante quelque part qui a dit que le gars, ça ne doit pas avoir d'autres enfants. Parfois même, c'est son ex qui l'a bloqué. Il vous dit. Les gens sont très méchants ici dehors. Et comme les hommes sont ce qu'ils sont. Tchaï. Les hommes. Les hommes sont simpletons. Je sais que 80% des gens qui me regardent sont les femmes. Et je suis aussi quand même contente parce que quand je vois les trois derniers mois, il y a beaucoup de femmes qui font les travaux de leurs hommes. Parfois, tu rencontres un homme comme ça que dans sa famille, on l'a attaché jusqu'à. Sa mère le contrôle. Sa mère a dit qu'il ne va pas faire l'enfant avec quelqu'un. Vas-y, fait l'enfant, la personne va le tirer dehors ou je ne sais pas trop quoi. Il est aussi là comme ça. Il est là comme ça. Là. Tu rencontres, tu sens que l'homme, c'est le potentiel. Pourquoi il est bloqué? Pourquoi il est bloqué? Il prend une décision, il veut faire quelque chose. Après, il change. Yacine Tchaché a répondu, quand on est indisposé, on ne fait pas le bain de sel. Ne me posez plus la question là. Prenez le numéro WhatsApp, vous écrivez là-bas. Venez me déranger avec les choses comme ça. Ce que je vous dis par rapport aux hommes là, c'est pas la blague. Hein. C'est pas la blague. Parfois il y a ses soeurs. Ses soeurs. Ha! Wow! Ses soeurs. C'était le cas pour toi, ton père, pas de mariage ni d'enfant. Maman. Tu vois que ton transfert est passé, non, mamie? Je bénis cette dîme que tu viens de payer. Je déclare que tout blocage qui était sur ta vie est enlevé au nom de Jésus. Je te lève même de cette ligue où tu es malade. Et je déclare que ton remboursement, comme ils ont fait les rois dans la journée, que tu vas le recevoir dans les deux jours au nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais parler d'une femme que ça n'a pas été bloqué. Son argent a été bloqué depuis là. Elle vient de m'écrire et me dit que c'est passé. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Parfois, quand tu sèmes ta dîme comme ça, là, tu parles. Tu parles. Ça me rappelle une jeune femme, là. Première fois que je parle avec elle, elle me dit... Elle a son copain. Elle paie un lavage pour elle. Elle a dépensé 130 000 sur lui. Elle a dépensé 30 000. Je dis, mais c'est qu'est-ce que tu as fait si que là tu dépenses plus d'argent sur ton gars, plus que sur toi-même. Elle dit, mamie, laisse. Que le gars là, quand on s'est rencontré, c'était l'accord parfait, l'amour parfait. Mais je sens qu'il est bloqué là où il est tourmenté. Je sais. Il a une maman ticone là qui est. Il y a des périodes, elle est bien. Il y a des périodes, elle n'est pas bien. Il y a des périodes. Souvent, il y a certains hommes. Il y a aussi des hommes parfois qui sont. Il aime aussi sa mère, tu vois, non? Mais quand il te rencontre, tu veux l'amener quelque part. Et tu n'es pas encore armé spirituellement. Parce qu'il y a certaines mamans qui pratiquent beaucoup. Et elle pratique comme ça là. Son fils qui est ingénieur là, tu vois non? C'est qu'il doit toujours s'occuper d'elle. Monte, tu descends. Vous êtes mal à la maison comme ça. Tu sens que ce n'est pas moi qui... Même pas que l'emprise. Tu n'as pas besoin d'avoir l'emprise sur ton mari. Mais tu sens que l'homme, cela n'est pas totalement à moi. Vous avez une période où tu as jeûné. Tu sens comment l'harmonie entre vous accordez. La période là, c'est calme. Après, pac, ça se coupe encore. Elle s'est encore levée. Elle s'est levée.
Et ce genre de personnes-là, parfois au départ de votre relation, elle t'avait vu que tu étais simpleton. Bonsoir, Alain. Que tu étais simpleton. Ma fille, tu sais que tu es comme ma fille, non? Tu sais que je te prends comme ma fille, non? Tu lui disais tout. Les cadeaux, c'est pour elle. Il y a une là qui m'a dit qu'elle a donné 8000 euros à la maman de ce gars-là. 8000 euros. Tu rencontres une petite fille. Une petite fille comme ça, tu penses à 8000 euros, pourquoi? C'est pas la manipulation. Hein? Elle te fait genre, c'est elle qui va parler à son fils pour qu'il t'aime. Et ces femmes n'hésitent pas à aller. Elles savent que généralement, quand vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore assez souffert. Vous n'avez pas encore assez souffert. Vous parlez de quoi? Vous n'avez pas encore assez souffert. Vous ne savez pas que je dois engager comme ça là spirituellement pour que mon mariage tienne. C'est que non, c'est seulement un an que vous êtes ensemble, non? Un an, deux ans, ça va. Il dit, voilà, il y a une femme qui est arrivée dans la fille de la vie de mon fils. Il doit la maintenir au contrôle. Il doit la contrôler. Il doit la contrôler. Oh, elle n'est pas au village. C'est ce qu'elle dit. Et comme toi, tu es simple, simple là. Et il y en a même qui n'ont pas parti, de besoin de partir chez ces gens-là. Il y a une jalousie en elle. C'est naturel. Hein? J'ai connu ça dans mon premier mariage. C'était... Et j'arrivais, je disais que ouais, il faut que je te réconcilie avec ta mère. Non? Ouais, il faut que... Il me dit tout, laisse ma mère comme ça. Laisse ma mère, elle dérange. Mais voilà, je prends le téléphone. Ouais, parle avec maman, non. Parle. Il reste souvent comme ça. Quand il gagne un marché, souvent il peut m'acheter même 7 chaussures. Je reste comme ça, je vois 7 chaussures qui arrivent. 7 cartons, tac, 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 tac. Je vois les cartons, c'est que mes chaussures. Perruque, il m'achète. Oui, je vois la mère, fait que mais, envoie-moi ta perruque, non. Envoie-moi ça, non. Envoie-moi ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon fils t'achète, il n'achète pas aussi pour moi? Hey! Quoi? Non, quand il me rappelle encore de la chose, c'était une période de déception pour moi. Parce que c'était la première fois. Et je crois qu'entre la mère, la belle-mère et moi, il y avait 15 ans d'écart. Elle avait eu quand elle avait 18 ans. Donc je le dépassais de 3 ans. Ce qui fait que c'était encore une pam-pam. Et une jeune fille comme moi, là. Tu vois, un peu, non. Mais on fait un tour au pays. Je vois, elle porte mes chaussures. Je vois comment la matin fait critique. Mais ta chaussure, là, laisse-moi ça avant de partir. Et ça me mettait mal à l'aise. Je dis, mais chérie, pourquoi? Il dit, mais c'est ton fils qui m'a acheté la chaussure. Là, je sais pas comment je peux vous dire ça. La sensation n'était pas très bonne. C'était pas... Like, I didn't like it. Je vais pas me sentir mal si mon gars m'aime. Et vous savez, il y a ce moment d'harmonie souvent que tu as dans le couple là. Excusez-moi le terme, mais ton gars est comme un chien que tu contrôles. Excusez-moi. Il fait tout ce que tu veux. Il se lève le matin, il te fait le petit déjeuner, il te trouve au lit. Il fait ceci. Ok. Chai. Ida, je vais te bloquer, ma chérie. Tu as compris? Quand tu viens à mon direct, je suis comme une. Je fais la dictature. Tu as compris? Si elle parle d'un sujet, ça ne te plaît pas. Tu peux partir, tu reviens l'autre jour. Mais je veux pas, ne me fais pas changer mon sujet. J'ai changé mon sujet tout à l'heure. Je ne change pas maintenant. Donc tu es dans cette période où il y a l'harmonie entre vous. Elish, tu pars en boîte de nuit avec ta belle-mère que tu es folle. Que le pire, c'est quand elle va aller en boîte de nuit avec toi. Ha, erreur, Fumbutuku, tu ne peux pas. Jamais. Ha. C'est comme ça qu'on a eu le premier problème, deuxième problème, dès le troisième, quatrième problème.
Parce que chaque fois qu'on avait des problèmes, il appelait, voilà, elle est en train de faire ça, regarde ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi tu fais ça à mon fils? Wow, tu vas tuer mon fils. Wow. Et comme pour lui, il avait quelqu'un qui le défendait, il y a eu ce basculement de situation. Et elle a commencé à lui donner des conseils, genre, on ne dit pas tout à la femme, hein. Pas dit tous tes projets à la femme. Tu ne peux pas, les femmes sont vraiment ce que... Et je peux dire que j'ai vu comment ma relation a commencé à se désintégrer. Et comme je vous ai dit, à chaque échec, tu dois pouvoir regarder, tu analyses, tu regardes. Tu regardes. J'ai compris que c'est parce qu'au départ, j'ai ouvert la porte. Au départ, en ouvrant la porte, on a les meilleures intentions. Mm-hmm. Mm-hmm. Parfois, ça peut être... Il y a une autre jeune femme là qui me suit. Elle me dit que son mari lui a ouvert un salon de coiffure, un salon de beauté, coiffure, tout ça. Le père même de la fille n'a pas dit au monsieur que tu n'aurais pas dû ouvrir ça, ma fille. Il fallait me donner l'argent, j'ouvre, je construis ma maison, après je te rembourse petit à petit. Sa propre fille. Hein. Pourquoi tu as, ma fille ne mérite pas ça. Pourquoi tu l'as ouvert le salon? Regarde tout l'argent que tu as dépensé là-bas pour elle. Donc c'est pas seulement parfois la belle famille, c'est pas seulement eux. Tu sais que parfois ces personnes qui sont un peu plus âgées que nous, donc ça quand vous arrivez aussi en Europe, faites attention, ils voient votre étoile. Ils voient votre étoile, ils sont jaloux. Et. Oh, dis-moi tout, tu es comme une petite soeur pour moi. Ah, les faux mots qu'il faut, fuyez-moi ça. Je suis comme une tata pour toi, non? Après, toi, quand tu parles d'elle, tu dis ma tata qui est. Ce n'est pas ta tata, ma chérie. Mm-mm. Ce n'est pas ta tata. C'est juste une femme qui est en Europe et se cherche aussi. Toi aussi, tu te cherches. Parce que parfois les appellations que tu acceptes, ça te fait des ça te fait des bondages, ça te fait des prisons sentimentales dans lesquelles tu te retrouves. Et quand tu es déçu très dur, ça fait mal. Mais je pensais pourtant, je la prenais pour elle venait chez moi, elle dormait dans ma chambre. Tu es folle. Elle dort dans ta chambre. Hein, mamie? Parce que beaucoup de ces femmes-là, elles pratiquent. Elles sont plus âgées que toi. N'oublie pas. Donc, parfois, elles ont... Parfois, et tu vois, simplement, tu tombes sur ma page. Tu dis, tata, je voulais te montrer la page de telle femme. Ah non, là, ne l'écoute même pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non. Ma chérie, le bain de celle-là, elle fait ça depuis des années. Elle a quelqu'un qui check toutes ces choses au village depuis des années. Et toi, qu'elle dit que tu es sa fille, là, tu es sa ceci, elle ne va jamais te dire. Pas te dire. C'est pour ça que vous devez avoir le discernement spirituel. En fait, quand j'ai parlé de tout ça, ça revient sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Que parfois, la personne voit comment tu as un éveil spirituel. Mais j'ai rêvé de ça, non. Ça fait 2 jours que j'ai rêvé. Tu te rappelles, non, tata, le matin, elle a été dit. Et parfois, elle connaît, elle sait que tu as les dons prophétiques, par exemple. Elle t'appelle chaque matin. Tu as rêvé de quoi cette nuit? Tu as rêvé de quoi cette nuit? Et dès qu'elle suit, son discernement, elle est un peu plus âgée que toi, ok, n'oublie pas. Son discernement lui fait comprendre que l'enfant est en train de se réveiller. Directement, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle tue ça. Non, peut-être que tu es âgée, non. Et parfois, tu fais même le rêve, on te montre comment, on te montre son vrai cœur dans le rêve. Mais comme le temps là, tu ne connais pas encore bien interpréter tes rêves toi-même. Tu ne connais pas demander. Elle t'appelle chaque matin. Tu as rêvé de quoi? Dis-moi. Parfois, tu commences à te laver avec le sel. Toutes ces personnes, ce genre de personnes, elles arrêtent de t'appeler. Simplement comme ça. Elle. Tu n'as pas dit que non. Elle ne t'appelle plus seule. Parce que son esprit, là, ça commence à partir. Donc, faites attention parce que quand vous commencez aussi à grandir spirituellement, certaines personnes que vous respectez, ou bien par manque émotionnel, Vous voulez avoir l'approbation de ces personnes. Joël, s'il te plaît, tu peux partir, ma chérie. Je ne vais pas répondre à ta question.
Tu as compris, chérie? Par manque émotionnel ou par manque d'approbation quand tu étais petit, tu arrives en Europe, tu trouves la personne, tu veux totalement devenir son ami. Tu veux maintenant qu'elle t'apprécie. Tu veux maintenant qu'elle... Ne forcez pas trop. Brian, c'est quoi? Chaque jour, tu viens ici, tu dis Jojo. Jojo, c'est quoi? Taganam. Tu as compris? Tous mes ex, là, quand vous tombez sur mes vidéos, ne m'écrivez pas. Voilà. Je vous dis Rora. Si tu es un de mes ex, ne m'écris plus. J'aime quand je reçois l'argent, ça me plaît. Vous avez reçu l'argent. J'aime bien ces messages. Vous avez reçu. J'aime les messages de Airtel. Airtel Money, Orange Money, tout ce qui est money là. I like it. Que j'ai fini avec beaucoup de mes ex ne croyaient pas en moi. Moi, je connais déjà, on se connaît. Beaucoup de mes ex, bon, certains, très peu d'entre eux se sont sentis un peu intimidés par ce que je voyais à ce moment avant, quand je les connaissais. Et beaucoup d'entre eux, quand vous tombez sur mes vidéos, on ne se comprend pas. C'est seulement parce que tu m'as connu dans le passé. La fille a seulement le même visage, mais je ne suis plus la personne là. Je ne suis plus. Ce n'est plus elle ici. J'ai changé. Bonsoir, Mariam. Je parle de cela parce que dans votre ascension spirituelle, vous êtes enseigné seul. Ok? Tu peux jeûner quand tu as les règles, Stacy. Donc, c'est un peu comme si c'est de l'auto-formation. Oui. Et très peu de fois, tu auras quelqu'un qui va venir te dire qu'on a commencé le module numéro 5. On a commencé tel module. Très peu de fois. Donc, depuis que tu es tombé sur mes vidéos, tu as su que tu devais me suivre. C'est bien que tu aies toi-même suivi seul. Parce que je crois que tu me suis depuis au moins 4 ou 5 mois. Ouais. Donc les modules, généralement, on ne va pas te dire que, ok, le 1er mars, on a commencé chapitre numéro 5. Comment reconnaître un Decepticon? Patrick, va sur mon profil TikTok. J'ai les vidéos là-bas. Voilà. Donc, la plupart du temps, ce sera quand tu vas t'arrêter et tu vas donner une attention particulière au spirituel que tu vas commencer à comprendre que, en fait, ils sont en train de m'enseigner depuis. Et les personnes spirituelles ne sont pas toujours les gens qui vont te faire prier 5 heures de temps. Je ne sais pas comment on peut dire. Quelqu'un de spirituel, ça peut être juste quelqu'un qui a une façon... Pourquoi, supposons que tu arrives quelque part, il y a quelqu'un qui... Bonjour Fred de YouTube. Vous avez peut-être une altercation avec quelqu'un. Et puis, il y a des paroles violentes qui sont données à l'égard d'une personne qui est avec toi. Tu vois comment la personne réagit. Genre, il ne s'échauffe pas. Non, 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 il est calme. Tu vois comment un petit l'insulte. Le petit là l'insulte. Le petit l'insulte. Après, pas il entre dans sa Mercedes, il démaille pas. Tu regardes, tu dis waouh. Je connais l'homme aussi depuis. C'est vrai, quand tu regardes physiquement, il ressemble à quelqu'un qui peut te dire qu'il jeûne parce que son gros ventre là. Je crois pas qu'il jeûne beaucoup. Je crois qu'il boit beaucoup de Isenberg. Mais.
Donc ne jugez pas la coquille. C'est pas avec la coquille de quelqu'un qu'on va juger la personne dans le spirituel. J'ai des personnes qui sont souvent envoyées vers moi, qui à des époques m'ont guidé. Et ces personnes, il y a un là, il saoule beaucoup. Il vient à Bouddha. Quand il veut commencer ta consultation, il prend d'abord une petite bière là. C'est quand il est saoulé comme ça là. Il dit oui, je vois comment il y a ça, je vois. Il dit que yeah. Ça n'a pas de sens dans ta tête. N'est-ce pas? Oui. Ne jugez pas les gens par ce que vous voyez d'eux. Ce n'est pas la coquille. Donc, ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup rabaissé. Ça m'a un peu humilié. Ça m'a humble. Dans le sens où j'ai compris que l'esprit peut me parler à travers n'importe qui. Oui. Je peux tomber sur quelqu'un que c'est, il n'est pas vraiment attrayant. Gaël Kwame, je vais te supprimer de mon direct. Hein. Il n'est pas vraiment attrayant tant que ça. Une fois, j'ai rencontré un monsieur comme ça à Libreville. On était arrivé et puis j'étais devant un magasin, j'attendais que le gars vienne ouvrir. Lui, il était là, il bavardait un peu trop, il s'affolait beaucoup. Pourquoi tu as fermé tôt? Pourquoi? Je regarde, je dis, oh non. Après un moment, il se tourne, il me regarde. Je dis, oh non, un de ces détraqués peut-être qui... J'avais pas envie de faire la conversation. Je vous assure que les 30 minutes qui ont suivi, c'était l'une des conversations les plus claires de mes 3 derniers mois. Oui. Il était un peu comme un fou. Mais bien habillé, il avait un habit, il avait un t-shirt blanc. Un fou propre. Mais les paroles que l'esprit a utilisées au temps là pour me donner, c'est exactement de ça que j'avais besoin. Parce que parfois tu restes comme ça, tu as un tourbillon spirituel dans ta vie. Tu as beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Tu as commencé ça, tu as fait ça. Et parfois tu es là, turmoil, tu es comme dans une tempête. Et l'esprit t'amène quelqu'un qui n'a pas. Genre, tu le contactes demain, tu lui demandes même que, dis-moi encore. Ce qu'il va te dire, ça n'aura même pas de sens, ça va même t'énerver. Tu vas pas arriver à croire que la veille, c'est la personne qui t'a parlé, ça a touché ton esprit. Donc, vous devez savoir reconnaître ces instants-là. C'est très important. Vous allez voir que Dieu va vous parler à travers beaucoup de choses. Et Dieu n'est pas compliqué. Je n'aime pas quand quelqu'un comprend la spiritualité, ça m'énerve. Je n'aime pas. La spiritualité n'est pas compliquée. Jésus a dit que si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tout ce qu'on explique dans le spirituel que tu ne peux pas expliquer à l'enfant, l'enfant comprend. Non. C'est trop compliqué, c'est trop. Ça doit être simple. C'est pour ça que souvent vos enfants me regardent mes vidéos. Parce qu'un enfant connaît que quand tata s'y parle, je comprends. C'est comme ça la spiritualité. Parfois vous compliquez. Parfois tu rêves. J'ai rêvé qu'on m'a donné l'argent, ça veut dire quoi? Va voir l'enfant de 5 ans, tu lui dis ton rêve. Tu vas voir ce qu'un enfant m'a dit. Quand vous venez me dire vos rêves comme ça m'énerve. J'ai rêvé qu'on m'a donné beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? Ma chérie, tu veux qu'il traduise en quelle langue? Hein? Oh. Ça veut dire quoi? Parfois, c'est comme si vous faites un semblant. Tu vois, tu es belle, mais tu n'oses pas dire que tu es belle. Tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui te dise que tu es belle? Non, je suis belle. J'ai rêvé qu'on m'a donné l'argent, ça veut dire que je vais avoir l'argent le mois-ci. Moni, tu es où? Pourquoi tu as peur de dire que tu vas recevoir l'argent? On t'a donné l'argent dans le rêve. Clara, tu dis que ça veut dire que tu es pauvre. Ah, Seigneur.
Ça veut dire quoi? Dans la spiritualité, c'est simple. Partez toujours de ce fait. C'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qu'en regardant, regardez avec vos enfants. Vous voyez un peu l'énergie de l'enfant quand il regarde. Est-ce qu'il l'aime? Ça va vous donner. Écoutez, mettez souvent vos enfants sur mes vidéos. Quand vous écoutez, là, écoutez aussi avec eux. Regarde, observe ton enfant. Il y a une qui m'a dit l'autre jour que son enfant de 1 an et demi, c'était oui, 18 mois. Que l'enfant regarde mes vidéos comme si elle me connaissait jusqu'à. Comme si elle entendait ce qu'il dit. Il dit, voilà. Bonsoir, on est là. On est là. Quand tu arrives, quand il veut partir, moi. Donc, il rentre. Je suis au bureau, je suis pas à la maison, donc il faut que je rentre à la maison. Me no get a time for the right and the right gonna make got my mind on my money. Steady or like a girly. Tu as avec ton fils d'un an. Hein? Voilà, Fred. Je rêve que l'argent, on me savait dire quoi. Tes enfants posent des questions, mais. Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants des mamans qui me regardent. Il faut dire à vos mères de faire ce que je dis. Ne riez pas. Dites à vos mères de faire ce que je suis en train de dire. Parfois, ils parlent des trucs simples. Ils disent, lavez votre sel. Tu regardes ma vidéo où je parle de lavage. Le lendemain, ton enfant dit, maman, réveille-toi, alors tu te laves au sel comme la tata l'a dit. Tu dis, hey, pourquoi ils m'ont dit ça l'enfant si? Parce que vous voulez regarder, vous ne le faites pas. Alors que l'enfant veut regarder, fait. Il faut faire ce que vos enfants disent, pardon. Les enfants la contrôlent que vos mamans fassent ce que je dis. Oui. Parfois, tu peux même donner le challenge à l'enfant. Tu dis qu'on va se maintenant se laver le sel tous les jours. L'enfant sera même plus fidèle que toi. Tu vas tu es fatigué, tu dis que oh, tu tombes sur le lit, tu veux dormir. Maman, lève-toi, on se lave avec le sel. Très simple. Bonsoir Joachim, comment tu vas? Tes enfants sont adorables. Comment va la petite Yvette, la dernière là? Je sais pas comment elle fait au milieu des garçons. Soit elle est trop chouchoutée. Soit elle est trop chouchoutée, je pense. Parce que quand tu es dernière fille avec 3 garçons, je pense que elle est assez chouchoutée. Tu vois, ton fils se lave chaque jour avec le sel. Bonsoir les enfants de Vanessa. Ok, il va bien. Hein. Joachim, tu vas bien, c'est bon. Je crois que je vais faire ton lavage ce mois, donc il va encore travailler sur toi. La petite va bien. Hein. Je vais parler en vidéo à tes enfants. Ils sont tellement cool. Ils étaient attentifs jusqu'à. Ils étaient assis sur le capot aussi me regarder. Mon téléphone, c'est là, la batterie est déchargée. Hier, ma fille a utilisé mon power bank. Elle n'a pas chargé. Elle a son power bank, j'ai ma part. Elle décharge, ça peut prendre ma part, l'utilise. Donc voilà, je suis à 2%. J'ai mis le power bank, ça ne prend pas. Donc, je vais arrêter le direct de TikTok, c'est là. Il te demande de faire les bains de pied. Voilà. Yvette, tu ne l'écoutes pas, pourquoi? Hein, Yvette? Il a mis ta vidéo sur sa Xbox. Tu sais que certains d'entre vous, que vos enfants me regardent, ils saisissent ce que je dis et ils commencent à faire. J'ai quelques enfants parmi vos enfants qui commencent à payer leur dîme. Parce qu'ils ont écouté ce que j'ai dit, ça avait du sens. Imagine ton enfant commence à payer sa dîme à 16 ans. À 25 ans, ton enfant est milliardaire. Alors que toi, tu as commencé à payer la dîme à 45 ans. C'est à 70 ans que tu seras milliardaire. Pardon, laissez-moi comme ça. En tout cas, les enfants, TikTok, ça va s'éteindre bientôt. On dit seulement bye. J'ai 1% de batterie, donc ça va partir bientôt. Allez sur Facebook. Vraiment, l'enfance là, elle prend mon power bank, elle s'amuse avec. Les enfants d'aujourd'hui là, elle me sentit qu'elle veut rentrer à la maison. Je prends le power bank le matin, je crois que j'ai l'énergie dedans. Hein. Je dépose tout, ça ne charge pas. En tout cas, les mamans savent de quoi je parle.
On se comprend. On part tous au salon faire le bain. Vous partez faire le bain, hein? Aïe! Ta fille réclame le sel à chaque fois que tu la laves. Voilà. On ne connaît pas les règles de ma page. Ok, Gaël, il n'y a pas de souci. Tu es pardonné. Bon. Comme j'ai arrêté avec TikTok, il faut que je parte aussi. Il y a même le fils d'une dame là qui m'a suivi. Il a pris son propre argent. Il veut payer son billet d'avion pour venir me voir. La mère voulait venir. J'ai dit à la mère que je ne te vois pas toi. Je veux voir ton fils. Elle dit pourquoi? J'ai dit que toi là, tu vas venir me déranger. Son fils est très spirituel. Il a 18 ans. Voilà Blani qui dit qu'elle passe le temps à exécuter le bâton de commandement avec son bébé. Aïe. Et celle de 6 ans te rappelle qu'il faut jeter le repas aux ancêtres. Tu vois. Autant de choses. T'as devait brancher mon téléphone ici là. Oh là là. L'enfant là ne sait pas ce qu'elle m'a fait. Voilà ça, le téléphone s'est éteint. Comme ça que les mères aiment bavarder. Est-ce que les enfants nous laissent à l'eau? Les enfants aiment nous faire bavarder pour rien. Ici on parle de spiritualité. Ok, je pense que j'ai tout dit. Hein. Je vais continuer par quoi? J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit par rapport. C'est vrai, quand j'enseigne, je prends beaucoup de temps. Mais. ce temps est nécessaire parce que. C'est pour ça que souvent, quand vous m'écoutez, vous faites autre chose dans la maison. Tu vois, non? Mais tu mets, tu écoutes en travaillant. Parce que quand tu travailles, généralement, tu es en train de réfléchir. Quand tu travailles, tu réfléchis. Donc, je pense que c'est important si, en réfléchissant, tu as d'autres, tu as des choses que tu es en train de process, tu vois, dans ta tête. Je me dis, le meilleur cadeau que tu fasses à ton enfant, c'est de lui apprendre à être indépendant spirituellement. C'est de lui apprendre aussi les lois spirituelles, parce que beaucoup d'entre vous, vos parents, ne vous ont pas appris cela. Parce qu'ils même ne connaissaient pas. À cause de ça, vous avez beaucoup souffert. Ne passez pas l'ignorance à vos enfants. Parce que beaucoup de vos enfants veulent réussir. Certains de vos enfants, général, je vais te bloquer de ma page. Tu me connais même. Hey! Mon frère, je te bloque direct. Vous ne me connaissez pas. Je cherche même quoi ici, là. Donc, je vais brancher encore ça. Je disais que beaucoup de vos enfants, ils veulent devenir très riches. Cachez, je vous dis moi. Demandez-leur, ils vont vous dire. Parce que votre souffrance leur a fait mal. Ils ont grandi, comment vous avez souffert. Donc là où ils sont là maintenant, ils ne veulent pas passer par la même souffrance. Donc beaucoup de vos enfants sont là où ils sont là. Ils ont dit que ils ne vont pas traverser la même souffrance que vous. Ce que vous avez appris, même c'est tardivement, donnez-leur ce savoir. Ça va beaucoup les aider. Donnez-leur ce savoir. Parfois, tu montes les choses à l'enfant, il ne fait pas. Un beau matin, l'enfant se lève, il commence à faire seul. Tu dis, hein? Ok. Maman, ton sel là, tu as même mis ça où? Tu dis, hein? Que c'est toi qui veux le sel? Il dit oui. Parce que de façon ultime, chacun cherche ce qui va l'aider. Et je dis toujours, soyez aussi très sincère. Soyez très sincère. Parce que vos enfants savent sincèrement que vous êtes sincère, quand vous l'êtes. Et si vous vous foutez de leur gueule, ils vont aussi savoir. Ouais. Je prie que je puisse peut-être même dans un an, que je puisse organiser des camps de vacances, peut-être en Europe. Peut-être un ou deux mois, comme ça vos enfants peuvent venir. Ils se déplacent juste d'un pays à l'autre, ils viennent. Mais ça fait partie de mon ministère aussi.
Reine Lumière, la petite me dit qu'elle t'a vu dans ses rêves plusieurs fois. La dernière fois, tu la sortais d'un accident où un gros camion voulait l'écraser. Waouh. Est-ce que j'ai déjà au moins touché la photo de cet enfant? Il faut que je travaille sur elle. Je sais que vous négligez les choses comme ça. J'ai une de vous qui me suit. Et elle a perdu sa fille de 11 ans, je pense, récemment. 11 ou 13 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup affecté émotionnellement parce que... elle a 3 enfants. Je me rappelle quand j'étais à la Yaoundé, j'avais vu ses enfants. Je me rappelle encore de bien l'image de sa fille. Hein. C'est vraiment ça m'a tellement un peu... Ça m'a secoué. Et qu'elle rentre, l'enfant rentre de l'école. Elle se couche. Elle meurt. Pas de maladie de 5 jours, de 10 jours. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup... Parce que ça l'a mis à terre, ça l'a effondré. Donc, si tu m'écoutes, je t'envoie de l'énergie. Je t'envoie de l'énergie positive. Et parfois, il y a certains de vos enfants comme ça. Là. Je sais que vous me suivez, mais vous négligez aussi seulement le fait que... Je sais que Dieu m'a envoyé pour faire certaines choses dans votre vie. Pour cette période de votre vie. Jusqu'à ce que vous changez d'avis demain. Mais c'est que pour aujourd'hui. Comme tu es en train de m'écouter là. Et parfois, je dis toujours, n'attendez pas quand c'est trop tard. Il y a une dame, une fois, on faisait le jeûne, je crois, le début de février. Elle me dit, j'ai rêvé que tu étais en train de laver mon enfant. Je dis, envoie la photo de ton enfant et lave ton enfant. Je crois qu'après, elle ne l'a pas fait. Il y a des choses parfois que vous faites comme ça. Je ne sais pas comment vous voulez que l'esprit vous parle. Je ne sais pas sous quelle forme. Ou tu veux seulement que le haut-parleur divin, on fait, oh, Lydie. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais il faut faire... Soyez attentif. Parce que l'esprit ne va pas. L'esprit ne va pas courir derrière toi tout le temps. Il y a une dame là, je crois qu'hier j'ai lu le témoignage de ses. Avant-hier, elle a donné le témoignage de ses deux enfants. Il y a une qui a 3 ans, une qui a 7 ans, je pense. Et. Elle disait comment j'ai fait, depuis que j'ai fait le lavage des enfants, elles sont devenues plus joviales, on les accepte mieux à l'école. Les petits enfants, hein, tu vas te dire peut-être que c'est rien, mais il y a certains blocages chez nos enfants parfois. Il y a une autre, on était en plein jeûne, ça c'était en mois de fin janvier. On était en plein jeûne et... Je crois que le mois d'avant, j'avais fait le lavage chez sa fille. Sa fille a failli se suicider. Elle dit le jour là, c'était le 3e jour de jeûne. Elle rentre, quelque chose dit, va fouiller la poubelle. Elle ne sait même pas pourquoi ou comment. Elle arrive à trouver les boîtes de cachets qu'on a ouvert. Elle dit, mais tu as mis les cachets où? Je vois c'est vide, c'est où? Elle dit, non, j'ai jeté dans une autre poubelle. Et elle insiste. C'est là qu'après l'enfant me dit qu'en fait, je voulais me tuer, en fait. Tu m'as dit, tu es à la maison avec les enfants comme ça. C'est une fille de 22. C'est 28 ans, hein, c'est pas une enfant. Mais tu sais que ton enfant, c'est ton enfant, même si elle a 40 ans. Donc, c'est ça qu'on a pu faire un travail. Et puis, après 2-3 jours, elle dit que sa fille vient. Et elle dit que le fardeau qu'elle sentait s'est quitté sur son corps. Jordan, tu as regardé mon histoire. Ok. C'est super. Si tu viens écouter les vidéos, c'est bien. Donc, ne néglige aucun détail. Dans le spirituel, ne néglige aucun détail. Tu dois être attentif. Quand tu restes comme ça, l'esprit te montre telle chose. Pas faire. Tu restes, l'esprit te guide comme ça, va faire. Parfois ça vient comme un feeling, parfois ça vient comme un truc que tu sais que tu dois faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois faire ça. Oui, va faire. Oui, parfois une petite parole te délivre de ta situation. Parfois tu peux rêver que tu es parti faire un don à... Il y a l'autre jour, je crois avant-hier, le premier, hier, il y a une dame qui me fait, elle paye sa dîme et puis elle dit, voilà, je dois aller faire le don à l'orphelinat aujourd'hui. Elle arrive dans l'orphelinat cœur de Jésus. Et elle dit que quand elle arrive à l'orphelinat, elle dit que elle arrive avec son riz qu'elle devait donner.
Les enfants n'avaient même... Le riz était fini. Et c'est son riz qu'on a ouvert, je pense. Si ce n'est pas le riz, c'est peut-être autre chose. Mais la nourriture qu'elle a apportée, le même jour, on a ouvert, on a préparé les enfants à manger devant elle. Là, je lui dis que vraiment, ça, c'est une bénédiction. Le fait que tu sois en train de voir comment ils sont en train de manger ou de bénéficier de ce que tu as apporté. Voilà, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, sur le coup, quand tu fais le don, tu te dis, ah, il s'est m'en donné, non. Tu ne vois pas ce qui s'est passé. Parfois, Dieu va te montrer. Parfois, Dieu va te faire la grâce. Il va te montrer ce que tu as brisé comme barrière. Il va te montrer... je ne sais pas. Vous voyez un peu. Sylviane, tu es en train de m'écouter, tu dis que tu me fais le message, tu dis que tu sens que je suis chez toi, toi là. Je bénis ta dîme au nom de Jésus-Christ. Je mets sur toi l'augmentation, la restauration financière, que tu ne manques jamais. Ok. Oui, il faut laisser ta fille utiliser tes produits. Pas de soucis. Si j'ai envie de dormir, il faut dormir. Parfois, il y a des phases spirituelles. Parfois, tu es dans une phase où l'esprit va te faire te reposer parce qu'il est en train de combattre pour toi. Il y a des jours où je ne résiste pas. Je reste dans ça, l'esprit me dit, j'avais prévu de faire ça, 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 ça. L'esprit me dit, dors. Je me couche, je dors. Je ne culpabilise pas de dormir. Basson, je n'ai pas encore fait ton lavage. Je l'avais fait hier, mais hier on faisait aussi les sacrifices au village, donc j'étais très occupée. Et aujourd'hui, j'ai dormi. Donc, je n'ai pas fait vos lavages. Je vous dis, Marois. Mais on a fait une séance de lavage collectif. Donc, ça, ce n'est pas un truc qui était obligatoire du tout, pas. Ou pas du tout, mais ce n'était pas obligatoire. Ok. Bon, on a terminé. On va pas faire de l'infidélité à TikTok. Ils ont dit que j'ai arrêté avec eux. Je suis venu ici vous enseigner plus que eux. Oh, il y a quelqu'un que tes cheveux démangent beaucoup. Je sais pas pourquoi on me dit de dire ça. Ça, c'est la couronne. C'est ta couronne qui est en train de s'activer. Depuis le fait que je reçois ce message, je ne fais qu'oublier. Voilà, il y a ta couronne qui est en train de s'activer. Clara, si tu as envoyé ton message inbox pour le lavage, comment tu vas me demander ici? Hein? Ne me dérangez pas. Donc, il y a quelqu'un que ta couronne est en train de s'activer. Et vous êtes... pour certaines, tu dois prendre l'huile de blindage, tu fais comme une sorte de bain d'huile avec. Tu vas mettre comme un bain d'huile, tu mets ça dans ton... Tu vois, non, sur ton cul chevelu. Parce que beaucoup d'entre vous, quand on bloque vos idées ou bien ton intelligence, parce que vois un peu tes cheveux comme des antennes qui te connectent, tu reçois les idées, tu ta créativité. Ok? Donc maintenant, il y a des... Parfois, c'est des produits que tu as utilisés, parfois, c'est des environnements où tu es parti, parfois, c'est des personnes même qui ont bloqué ton intelligence.
Ah, il a la tête qui démange. Oui, ça, c'est le chakra de la. Je ne sais pas, on peut dire. Je crois que dans les choses qu'on t'a envoyées, tu as l'huile de blindage. Donc, il faut lui donner, il fait peut-être le bain d'huile avec une ou deux fois. Avec l'huile de blindage. Je crois qu'on peut faire la pub de l'huile de blindage les prochains jours. C'est récemment que l'esprit m'a juste rappelé que l'huile de blindage que je vends, ce n'est pas n'importe quoi. Ne simplifiez pas ça. Ça fait une barrière de protection. Parfois aussi, quand ça démange comme ça là, ça veut dire qu'il y a des mauvais trucs dans ton, dans ta, dans, qui avait dans ta tête qui sont en train de sortir. Donc, il y a ta couronne qui est en train d'être activée. Tu vas aussi recevoir beaucoup d'idées dans les prochains jours. Et tu auras, je vois quelqu'un, peut-être Joachim, il aura fortement envie de commencer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai tout dit que je vois toujours l'enfant là dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça fortement. Donc, il aura sûrement envie. Il y a un projet qu'il a eu avant qui va revenir et il va vouloir lancer ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de son échec. Parce que c'est quelqu'un, il est très fort mentalement. Je sais que tu as, c'est ton enfant, tu vois, mon bébé, mais il est très fort mentalement. Et il faut que tu lui laisses l'espace pour s'exprimer. Bon, on est en train de parler de Joachim dans le direct. Joachim, donc il faut que ta mère te laisse l'espace pour que tu t'exprimes. Et que tu agisses sur tes idées. Oui. You need to act on your ideas. Je vois ta confiance aussi. Ça va donner, ça va te faire ta confiance en toi va augmenter. Et c'est quelqu'un qui a une capacité de. Il a le flair des bonnes affaires, je ne sais pas pourquoi. Je le vois en train de. Il est sur l'ordinateur, il cherche quelque chose. Et l'esprit lui dit, va comme ça, il part. L'esprit lui dit, va comme ça, il part. Je suis désolé, on me parle seulement de Joachim. Mais Joachim, dites à tout le monde qui est en train d'écouter là, laissez-moi, il parle de Joachim. Si vous écoutez, ça donne pour vous. Donc, je vois Joachim, il est sur l'ordinateur et quand il est en train. Donc, c'est un peu comme s'il est connecté à une antenne spirituelle qui est quelque part dans l'univers. Et l'esprit en train de le guider sur l'ordinateur. Voilà. Donc, il faut que tu. Je vois ces cheveux-là. Beaucoup de cheveux que tu as sur ta tête, là, ce n'est pas du hasard. Donc, quand tu vas finir le boulot le soir, organise ton temps de deux façons. Comme tu vas commencer le stage bientôt. Tu fais le stage pour une partie. Et le soir, forme-toi beaucoup. Forme-toi beaucoup sur les. Je te vois beaucoup sur l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va te donner l'argent. Je te vois là-dessus. Je vois tes idées. Je vois comment tu es en train de travailler. Et c'est un peu comme si tu as des. Ça fuse de partout, en fait. Like, tu as des idées qui viennent. Voilà. Et tu es aussi quelqu'un que tu as la foi. Tu crois beaucoup. Quand tu vois un truc, j'ai dit encore, tu as le flair des affaires dans le sens où tu peux sentir ce qu'il va donner. Ça, c'est le don que ton enfant a, Yvette. Il peut sentir ce qu'il va donner. Donc, si un jour tu marches avec lui, il te dit qu'achète telle chose, tu investis sur ça, ça va. Il faut croire à cet enfant, ça va marcher. Donc, il a ce flair-là. J'entends le mot, le mot vito, monnaie virtuelle. OK? Il faut te former dans les monnaies virtuelles. Crypto-monnaie, tout ce qui est monnaie virtuelle. Ah, il fait l'informatique, hein? D'accord. Je ne savais pas ça. Ajoute à ce que tu fais déjà les monnaies virtuelles. Est-ce qu'il met les lunettes? C'est lui qui met les lunettes. Parce que aux monnaies virtuelles, c'est comme si à un moment, peut-être, tu vas créer ta part. Tu vas créer quelque chose qui va. Un système. Je te vois après créer un système qui va prendre. Que les gens vont beaucoup utiliser. Voilà. Un système qu'on va beaucoup utiliser. Et c'est les paiements de chaque personne qui vont te donner l'argent. Je crois que tu as déjà eu des idées comme ça, mais quand c'est arrivé, ça paraissait trop grand pour toi. Donc, si tu fais informatique, apprends comment tu peux créer un système de fonds. Je sais pas, apprends comment tu vas créer un système de fonds. Je te vois mettre comme un baobab, mais tu mets les racines du baobab. Et quand ça grandit, maintenant, beaucoup de personnes viennent sur ça. Et c'est le nombre de personnes. Je crois que ce que tu vas créer, des millions de personnes vont utiliser. Et quand ils vont utiliser, ça va te donner l'argent. Ça va faire ton argent va entrer. Voilà. Donc, si tu hésitais, peut-être, il faut te lancer dans ça. Et Yvette, il faut pas le.
sais que les mamans ont souvent peur, parce que je vois cette partie-là de lui, genre, à un moment, maman va dire que, ouais, et si ça ne marche pas, tu vois, il faut laisser tester ça. Voilà. Ah, il dit que c'est vrai ce que je dis. Hein. Ok. Je ne sais pas pourquoi, avec toutes ces personnes, c'est son énergie qu'on me montre, mais c'est ce que je ressens sur toi actuellement. Ok. Il faut aussi faire beaucoup d'heures extra. Je vois que c'est quelqu'un qui peut rester longtemps sur l'ordinateur. Quand il a quelque chose en tête, il veut pousser jusqu'au bout. Donc, il faut lui donner, je ne sais pas quoi il peut dire, laisse-le travailler. Et toi, mon Joaquin, travaille, parce que ton travail va te payer, ça va te donner. Travaille, tu vas voir. Travaille, travaille. Ne te décourage pas. Tu fais ça, ne donne pas le lendemain, tu repars encore sur ça. Il faut travailler, travaille dessus, tu vois. Travaille, travaille. Un moment, tu vas voir que tu vas trouver le code et puis pap, ça va se... L'argent va commencer à entrer. Je crois que je t'ai toujours dit que tu seras très riche. Tu seras riche très tôt. C'est comme moi, je sens toujours sur toi. Tu seras riche très tôt. Très, très tôt. Voilà. Et je crois que c'est quelqu'un qui aime les belles maisons. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois avec, dans une grande maison. Et c'est sa maison, en fait. Genre, il a eu beaucoup d'argent. Il a acheté sa propre maison. Et il est encore très jeune. Donc, à un moment, il aura tellement d'argent qu'il va, ça va entrer et puis il va... les belles maisons, les belles voitures. Ouais. Demande-lui, je crois qu'il a des grands rêves. Cet enfant a de grands rêves. Il a les belles voitures, les belles maisons. Mm-hmm. Oh my God. Cet enfant, l'énergie de l'enfant, elle est forte. Hein. Ils osent. Il adore le luxe. Ça ne m'étonne pas. C'est ça que je vois de lui. C'est ça que je vois. Il aime les bonnes choses. Faut que j'évacue un peu ton énergie. Ton énergie est très forte. Tu es quelqu'un que tu vas toucher beaucoup de personnes. Parce que les gens avec les auras comme ça, c'est des commandeurs. Ah ah, il dit que sa première voiture sera la Tesla. Tu es quelqu'un que, Joachim, tu es quelqu'un que tu commandes. Tu es quelqu'un que tu peux commander. En anglais, on dit summon. Summon. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut dire summon en anglais, mais tu peux commander. Tu as une énergie qui commande. Et je sais que tu sais, mais parfois tu doutes un peu de toi. Donc, il ne faut plus douter de toi. OK? Quand il avait 13 ans, une Tesla. Il t'a dit que c'est sa première voiture. OK. C'est quelqu'un qui a une énergie de commandement. Et quand on parle de commandement, ça ne veut pas dire forcément que... Il est le genre de personne qui peut être derrière les projets. Donc, on fait un projet, ça donne. Tu arrives là-bas, tu ne sais pas que c'est lui qui est le chef. Tu vois un peu. Il a un truc qu'il peut créer quelque chose et beaucoup de personnes viennent utiliser la chose. Voilà. Ok. Je vais voir s'il me permet de sortir. Attends, il y a encore une autre chose que je dois te dire. Tu ne ressembleras en rien aux peurs de ton père. Tu ne ressembleras en rien. Parce que je vois un peu l'énergie, paternelle qui plane sur lui. Dans le sens où peut-être il n'est pas compris là-bas. Il n'est pas encouragé. Je sens un peu cette petite frustration-là. Et il y a des moments où ça fait un peu le doute dans son esprit. Je ne sais pas comment il peut dire. C'est un peu comme s'il y a le soleil, après je vois un nuage qui vient. Et le nuage, c'est quand on parle de son père. Ça fait comme un nuage qui vient. Donc, il faudra que tu prennes un kit fondation pour lui. Et tu dois lui montrer, il doit faire ses 7 jours de jeûne lui-même. Et il doit briser ça. Donc je vois ce nuage. Voilà. Il doit briser ça. Voilà. C'est quelqu'un qui est, de ce côté-là, de sa famille, il est un peu incompris. Parce qu'il veut trop, il veut...
Ok, son père ne l'encourage pas. Ok. Parce qu'il est incompris. Et parfois, quand il va là-bas, c'est comme s'il doit baisser sa lumière. Donc, il faut qu'il brise ce. Il doit briser lui-même. C'est pas toi qui vas faire ça. C'est lui-même. Ouais. On me dit de te dire que tu es déjà assez mûr spirituellement. Tu es déjà mature. Donc, il est déjà en train de. Tu es en train de mûrir déjà. Et quand tu arrives à certaines maturités, ça veut dire qu'il y a des attaques que tu peux prendre sur toi. Tu n'es pas trop jeune pour ça. Ça veut dire que tu peux, il y a des combats que tu peux mener. Donc, tu es déjà en train d'arriver dans cette maturité-là. Je crois que ça fait à peine quelques mois qu'il a commencé à payer sa dîme. Donc, il est déjà en train de se fortifier lui-même. Voilà. Je crois que tu avais déjà pris les bâtons de commandement pour lui. Donc, je le vois avec un bâton de commandement aussi. Faut qu'il dépose ça peut-être dans sa chambre, dans le là où il travaille. Nathalie, ce n'est pas moi qui parle. Voilà un enfant de 16 ans qui me fait, je m'arrête pour parler. Tu dis que c'est de quoi que je te parle aussi. Ouais, Seigneur. L'enfant que vous dites là, il n'a pas 20 ans. Hein. Il a fait, vous avez laissé vous tous. Il vous a banqué vous tous. Je suis en train de parler. Depuis 10 minutes, je suis en train de parler de lui. Vous croyez que c'est moi qui fais? Quand il me met pour parler de direct ici, il dit ce qu'on me dit de dire. Vous avez compris, non? Donc, attends, attends, il faut que je finisse avec cette partie-ci. Il y a une instruction qu'on me montre de te montrer. Voilà, tu vas avoir le bâton de commandement. Bon, il va dire les choses qu'il va acheter. Il y a un long bâton de commandement dont j'ai parlé la dernière fois. Ah, c'est ce matin que j'ai dit qu'il a donné son argent pour acheter le bâton. Ok. Donc, dis-lui qu'il doit prendre deux types de bâtons. Le petit et il y a encore un autre qui est long. L'autre là, c'est plus haut. Mais pourquoi ça arrive chez vous là-bas? Je ne sais pas trop ce que. La dernière fois, j'ai envoyé ça à quelqu'un là-bas chez vous. DHL est un peu dérangé. Donc, on va voir. Mais il lui faut le long aussi. Joachim, hop. Je sais pas ce que ton enfant m'a fait ce soir. Bon, je continue. On me dit de te dire que tu es comme un Moïse. Et quand tu vas prendre le long bâton, tu vas faire le kit fondation. Ce sera comme. Il y a une notion de délivreur en toi et tu as toujours su ça depuis que tu es petit. Maintenant, c'est le moment. Je ne sais pas comment. On me dit que c'est le moment et que tu vas comprendre. Donc, ce bâton-là, c'est un bâton qui est 1,50 m. Donc, comme il est assez grand, ça va. Donc, il va prendre le bâton et il y a cette notion de Moïse, qu'il faut qu'il se rappelle de ça, cette notion de Moïse dans laquelle il est en train d'entrer. Voilà. Il ne peut pas prendre seulement le petit bâton. Le petit, c'est tout petit. Il a besoin d'un long bâton, une sorte d'autorité. Voilà, c'est une autorité spirituelle qu'il prend. Voilà. Petite fondation, petit bâton, grand bâton. Voilà. Oh, Seigneur. Carrément, on me montre une image de. Donc, c'est comme si j'ai une caméra et je suis en train d'entrer dans la maison de ton fils. C'est bizarre. C'est ça, c'est sa future maison. Tu auras beaucoup de grands tableaux chez toi. Tu auras des sculptures en bois chez toi. Des trucs en ébène dans ta maison. Ok. Rappelle-moi juste le bracelet que je dois lui envoyer. Moi, je dois lui donner un bracelet. Quand je vais envoyer ces choses, voilà. Rappelle-moi seulement le bracelet. Je saurai de quoi ce que c'est. Donc l'autre, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dire pour le bracelet là. Quand ça va arriver, il faut qu'il porte ça. Ça, c'est pour l'argent. C'est pour attirer l'argent. Et à un moment, chez lui, quand on va entrer chez toi, on va voir que tu es spirituel. C'est-à-dire, ta maison va refléter ce que ton âme est. Tu es quelqu'un que tu vas être intensément attiré par le spirituel dans les années qui arrivent. Voilà. Oh! Parce que dans une de tes vies antérieures, ok, tu étais un chef spirituel. Et tu étais comme une royauté. Tu avais beaucoup, je crois, comme tu avais des châteaux, tu avais beaucoup de collections artisanales. Et c'est comme si tu dois recollecter ça dans cette vie.
Voilà. Si on ne me permet pas de sortir de l'énergie de l'enfant, là, je ne sors pas, je vous dis. Donc, est-ce que je peux sortir maintenant? Oh, Seigneur. Même sa mère, vous ne pouvez pas savoir le nombre de jours où sa mère m'a demandé que dis-moi, parle-moi. Voilà que je la laisse, je passe pour son enfant. 37, non, ce n'est pas en privé. Tu peux me prendre en privé, te dire parce que je suis en train de te dire là. Tu as suivi. Et je sais ce que je dis et je sais ce que je ne dis pas. Si quelqu'un ne veut pas écouter, il peut toujours se déconnecter. Il n'y a pas de souci. Ok, j'avais fini les conseils. J'avais arrêté le direct de TikTok tout à l'heure. Donc, normalement, on était en train de partir. Je devais déjà arrêter. J'avais dit que je voulais arrêter. Tu as bien compris, Cynthia. L'esprit visite l'enfant. Chacun a son jour, c'est comme ça. Je ne connais pas ce qu'il a demandé dans la nuit, dans ses prières. Sa mère m'a écrit ce matin, elle m'a dit que son enfant lui a donné sa dîme. J'ai vu le message comme ça là. J'ai seulement dit, ok, qu'elle va envoyer tout, demain ou bien aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas trop. Elle a écrit que l'enfant m'a donné sa dîme. Peut-être ce matin, en payant sa dîme, il a dit que Seigneur, parle-moi. Voilà ça que le soir, Dieu est en train de parler. Vous allez là, vous regardez chaque jour, vous ne payez pas vos dîmes, vous ne faites pas de prières. Vous voulez quoi? Le spirituel, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est le spirituel. Peut-être qu'il m'écoute ici là, il croit ce qu'il dit. Vous m'écoutez tous les jours comme ça là, que kounia kounia. Oh my God, je sais que ça vous énerve. Il m'en fout. Oh Seigneur. Eh Seigneur Jésus. Donc je vais prier. Je vais te faire un voice aussi, comme ça va garder pour lui. Et que les personnes qui ont les énergies positives dans ce direct se joignent avec moi pour cette prière. Je bloque toute énergie négative. Je retourne à l'envoyeur. Et je m'accorde aussi avec les parents qui ont reçu des messages pour leurs enfants. Voilà. Éternel des armées, je viens bénir cet enfant. Je viens chasser tout esprit de dépression, de dispersion, de doute. Nous t'envoyons de l'énergie positive pour ta destinée. Nous te fortifions, nous te renforçons. Nous mettons ta couronne sur ta tête. Nous rappelons au Seigneur toutes les offrandes de ta mère, toutes ses prières, tous ses aumônes, tous ses sacrifices. Et nous déclarons que tu ne souffriras pas des malédiction générationnelle familiale venant de ton père ou de ta mère. Nous déclarons que les erreurs de tes parents ne pèseront pas sur ta vie. Au nom de Jésus. Nous venons te sortir de tout trou dans lequel tu as été déposé. Nous te sortons de toute forêt dans laquelle on t'a laissé, on t'a abandonné. Tout labyrinthe dans lequel tu t'es retrouvé. Toute confusion. Nous mettons la clarté dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Je viens activer tes dons, ta puissance. Je déclare, quand tu écoutes cette prière, je renouvelle en toi, selon 1 Samuel chapitre 16, l'Esprit de Dieu. Si dans un des kits tu as lu de livre, tu vas devoir verser ça sur lui. J'ai fait un truc ici la dernière fois. Je vous ai dit que j'avais des couronnes que j'ai baignées à Makepe pour vos enfants. Je sais que vous n'avez pu demander ça après. Donc, il faudra que tu rappelles qu'on doit te mettre une couronne pour lui, avec de l'huile d'olive. Donc, tu mettras ça sur sa tête. J'ai déjà béni les huiles quand je suis arrivé la dernière fois. J'ai béni aussi les couronnes. Pour toute mère qui s'accorde avec cette prière aussi pour son enfant, recevez la couronne de vos enfants. Au nom de Jésus. Je déclare que votre grossesse ne sera pas en vain. Je déclare que vous n'allez pas enterrer vos enfants. Je déclare la force sur vous. Je déclare que vos enfants ne vont pas échouer. Je déclare... vous n'allez pas couler de larmes pour vos enfants.
tout projet qui va naître de votre cœur ou du cœur de vos enfants. Je déclare que vous allez recevoir les finances pour les accomplir au nom de Jésus. J'enlève tout nuage maléfique, toute influence négative, tout impact négatif que quelqu'un peut avoir sur toi, que ce soit ton père ou ta mère. Je te délivre de l'influence négative. Je fais pousser tes ailes. Je restaure tes dons. Je dérestaure ta vision. Que tout Goliath devant toi, je coupe sa tête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tes anges te visitent, qui te montrent le chemin que tu dois suivre, qui te montrent où tu dois partir, qui te montrent ce que tu dois faire. J'ouvre tes oreilles spirituelles, que tu sois connecté. Amen. Voilà. Ça, c'est fait. C'est que l'égoïsme des gens de Facebook. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour émettre une pensée positive pour quelqu'un. Parce que ce n'est pas ton enfant. Ou le mauvais cœur vous fait quoi? Le noir cœur, là, ça donne quoi? Et ça va. Ok. Seigneur, merci pour les personnes qui écoutent. Je viens bénir votre temps que vous avez pris pour écouter ceci. Bénis vos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous passez une très belle nuit. On se parle demain, si le Seigneur le veut.